Bienvenue dans votre émission du Monde en Face, en partenariat ce soir avec le Figaro. Le marché des télécoms, c'est l'un des marchés les plus porteurs et concurrentiels qui soit. La France compte 66 600 000 habitants, mais si on comptabilise le nombre de cartes SIM en circulation, les chiffres montent à près de 73 millions de lignes téléphoniques. Aujourd'hui, c'est une guerre économique acharnée à laquelle se livrent les quatre opérateurs de la téléphonie dans notre pays. Alors quels sont les enjeux de cette guerre? Qui en sont ou seront les victimes? C'est le débat ce soir du Monde en Face, tout au long duquel vous pourrez évidemment réagir sur les réseaux sociaux. Mais avant de recevoir mes invités, tous experts de ces questions, voici un documentaire qui brosse le portrait des quatre tycoons des télécoms et nous dévoile tout un monde d'intrigues, de coups bas, de trahisons et de fines stratégies économiques. La guerre dans les télécoms, les quatre couleurs du capitalisme, c'est un film réalisé par François Rabaté que nous aurons le plaisir de retrouver ensuite sur le plateau du Monde en Face. À tout à l'heure. Ça se passe au 21e siècle. Les télécoms sont le miroir de l'économie capitaliste. En France, la concurrence est sans merci. C'est une histoire d'argent. C'est aussi une histoire d'hommes. Ils sont quatre. Chacun d'eux est l'incarnation du groupe qu'ils dirigent. Et chacun d'eux est le champion d'une version du capitalisme. Le numéro un, c'est le patron d'Orange, l'ancien monopole public. Un énarque pour une entreprise entre capitalisme d'État et capitalisme tout court. Je suis un manager, mais c'est vrai que je dirige une entreprise qui n'est pas comme les autres. Le fait qu'on ait l'État, qui reste un actionnaire important, l'actionnaire même de référence, contribue, je dirais, à créer un peu ce statut particulier d'Orange dans le paysage. Le deuxième, c'est un héritier. Il incarne le capitalisme familial. L'entreprise qu'il a créée il y a 20 ans est aujourd'hui fragilisée par des nouveaux venus agressifs. J'ai 62 ans, ça fait 25 ans que je suis président de Bouygues. Honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir à subir une situation de cette nature. Je m'étonne, je suis un peu surpris quand même. D'une pareille violence, c'est incroyable. Le troisième, c'est l'outsider, le fondateur de Free, la start-up innovante qui a tout fait exploser en lançant la guerre des prix. On a toujours fonctionné sous une forme de start-up et dans un fonctionnement start-up. On est là pour essayer de changer le monde, de changer les choses et d'être agressif. Parfois, ça peut créer des erreurs, mais c'est pas très très grave. On s'en remet très très bien. La compétition, c'est bon pour tout le monde. Et le quatrième, c'est un self-made man du câble et des télécoms. Ce champion du capitalisme financier est en train de bâtir un empire. Je suis patron d'un groupe de 55 000 personnes, présent dans 15 territoires, et qui fait 25 milliards de chiffre d'affaires. Mais, à la nuance près, c'est que je suis pas que patron, je suis aussi le propriétaire. Il y aura des batailles commerciales, des rachats à coups de milliards d'euros, des coups de poker, des alliances et des retournements d'alliances. Entre ces quatre champions du capitalisme français, c'est la guerre. Dans le monde capitaliste, la guerre commerciale est la règle. Et pour capturer des parts de marché, c'est le dernier arrivé qui doit mener le combat. Dans les années 90, le téléphone mobile, c'était seulement France Télécom et SFR. 1995, arrivée d'un challenger, Martin Bouygues, avec Bouygues Télécom. Martin Bouygues, au départ, c'est l'héritier. Entré avec un simple bac en poche dans le géant du BTP et de la communication créé par son père, il lui succède en 1989. Cinq ans plus tard, il lance Bouygues Télécom. C'est sa création à lui, son bébé, qui prouve qu'il n'est pas seulement un héritier. L'entreprise Bouygues Télécom se confond avec la personne de Martin Bouygues. On a une particularité, c'est que nous, il existe un monsieur Bouygues. Il n'y a pas un monsieur Orange, ça n'existe pas en tant que tel. Nous, il y a un monsieur Bouygues. Quand on va avec Martin chez Samsung à Séoul, on rencontre le fils du fondateur, et ben on a une relation un peu particulière parce que c'est quelque chose de spécial. Il y a un monsieur Bouygues. Olivier Roussat est entré chez Bouygues Télécom en 1995. Il a gravi tous les échelons de l'entreprise et aujourd'hui, il en est le PDG. Il se souvient des débuts quand Bouygues Télécom est venu bousculer France Télécom et SFR qui se partageaient tranquillement le marché. L'agitateur, l'innovateur, celui qui rebat les cartes, c'est clairement Bouygues Télécom. Bouygues Télécom arrive, invente le forfait 3 heures, qui est une rupture complète, c'est-à-dire qu'on était celui qui disruptait le marché, on a tout entendu là-dessus.
sur le fait qu'on était en train de brader la voie, que c'est quelque chose qui rapportait beaucoup aux opérateurs, que c'était nécessaire pour leurs investissements. Donc vous savez, l'histoire passe et on oublie un petit peu. Lui n'a pas oublié. À l'époque, Didier Lombard était le patron de France Télécom Orange, l'ancien monopole d'État, le numéro un du marché. Les autres opérateurs étaient extrêmement innovants. Ils ont investi et ils se sont battus comme des chiens pour se faire des parts de marché. Martin Bouygues, qui était le plus petit, n'était pas le moins actif. C'était très intéressant de le voir bouger. Hein. Quelquefois, il est amusant parce qu'il vous appelle le matin à l'aube pour vous dire « Tiens, je viens de faire telle chose qui va être très très méchante contre Orange. » Donc, il a une petite forme d'humour auquel on s'habitue, mais bon. Non, c'est un très beau partenaire. Partenaire adversaire, quoi. C'est une période un peu particulière parce qu'il arrive chaque semaine, 50 collaborateurs, 100 collaborateurs, donc des quantités importantes. Et d'ailleurs, vous avez quelque chose d'assez amusant, c'est qu'à cette période-là, chaque semaine, vous avez un petit trombinoscope qui vous donne les visages de tous ceux qui viennent de rentrer. Et puis, assez rapidement, ça disparaît parce que ça ne tient pas sur les écrans. Et donc, c'est une croissance très, très rapide. Très vite, ça marche très bien. Pour Bouygues Télécom, c'est une machine à cash qui renvoie à une dimension très concrète du capitalisme familial. C'est la famille qui reçoit l'essentiel des dividendes. Bouygues Télécom, pendant 10 ans, a fait la fortune du groupe Bouygues et donc de la famille Bouygues. Martin Bouygues est un vrai millionnaire en cash sur son compte en banque. Et grâce à Bouygues Télécom, Bouygues Télécom gagnait entre 500 et 800 millions d'euros de marge. Donc ça faisait tous les ans plusieurs centaines de millions d'euros de dividendes, dont une partie pour la famille. Autant de rentrées en cash, ça pousse à laisser fructifier le business. L'agressivité commerciale de Bouygues Télécom va s'atténuer avec le temps. Et puis quand ça marche, les autres s'alignent sur vous, ce qui fausse la concurrence. Milieu des années 2000, Bouygues Télécom n'a pas complètement rempli son rôle de numéro 3 dans le mobile. On a senti que les opérateurs mobiles, et comme c'est la tentation souvent quand on est trois, commençaient à s'embourgeoiser un peu. C'est toujours ce que les entreprises cherchent. Les entreprises cherchent toujours à constituer des situations de rente. C'est un peu le travers de tout le capitalisme. Et c'est pour ça que les autorités de régulation et les autorités de concurrence sont là pour veiller à ce que l'innovation et la compétition soient importantes. Amende record de 534 millions d'euros pour les opérateurs de téléphonie mobile. Le Conseil de la concurrence a jugé Orange, SFR et Bouygues Télécom coupables d'ententes illicites. C'est la plus lourde amende jamais infligée à des sociétés en France. Orange est condamné à payer 256 millions d'euros, SFR 220 millions et Bouygues Télécom 58 millions d'euros. On était dans une situation d'abus absolument manifeste. Les prix français... par rapport à d'autres prix, était absolument honteux, anormalement élevé. Même sans entente explicite, on a des ententes implicites pour ne pas attaquer le rival sur le prix, même si on a une part de marché moindre, parce que finalement, on se dit que plutôt que de déclencher une guerre des prix qui va se traduire par un repartage des parts de marché, etc., mais par une grande incertitude sur les niveaux de profit, on préfère, en gros, s'en tenir à sa part de marché et prélever une rente, c'est-à-dire une marge de profit, sans commune mesure avec le coût de production. La condamnation des trois opérateurs mobiles va ouvrir la porte à un nouveau venu qui s'apprête à dynamiter le monde des télécoms. Xavier Niel, le patron de Free, déjà présent sur le marché du fixe, Internet, téléphone et télévision. Xavier Niel, aujourd'hui, c'est un entrepreneur admiré. On a oublié le Niel sulfureux qui avait fait fortune avec le Minitel Rose et les sex shops. Reste sa success story, un mélange de self-made man et de créateur de start-up visionnaire à l'américaine. Lui, ce n'est pas un héritier, il ne doit rien à l'establishment. Il peut être transgressif, les jeunes et les rebelles s'y reconnaissent. J'ai eu la chance quand j'avais 16 ans, grâce à mon père qui m'avait acheté un ordinateur, d'apprendre l'informatique, d'apprendre à faire des logiciels informatiques. Et puis il y a quelque chose qui se développait beaucoup à cette époque-là, c'était l'émergence du Minitel. Et puis j'ai appris à faire des logiciels permettant de faire des services Minitel. Je
me suis mis à mon compte, plutôt que de le faire pour des tiers, c'était plus sympa. Et puis ça a grandi. Mais on a toujours fonctionné sous une forme de start-up et dans un fonctionnement start-up. On est tous des geeks, on aime tous ça. Et donc on a créé en France, avec des copains, le premier fournisseur d'accès à Internet de ce pays. Aujourd'hui adjoint à la mairie de Paris, Jean-Louis Missika est un homme qui compte dans le réseau d'alliances de Xavier Niel. Longtemps administrateur d'Iliad, la maison mère de Free, il en a vécu les premiers temps héroïques. Nous étions une équipe improbable, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'improbable ? Ben, l'improbable, c'est les parcours des uns et des autres. Voilà, c'est le fait qu'il y avait des gens, d'abord c'était des jeunes, beaucoup très marginaux par rapport à l'establishment français. Xavier Niel, avec cette personnalité et ce parcours lui-même un peu étrange, notamment à cause de ce qu'on racontait sur ses réussites dans le Minitel Rose, avant qu'il devienne un opérateur du web. Il était un personnage considéré comme au mieux énigmatique, au pire, louche. J'ai découvert qu'avec la Freebox, je pouvais appeler de chez moi les fixes de 70 pays en illimité. Allô ? Allô ? Ich bin Rodolphe ! En 2002, Free révolutionne le marché en inventant la première box pour le triple play Internet, téléphone, télévision, la Freebox, que tous les autres vont imiter. Leçon 1, the French kiss. Il a Free, il a tout compris. Internet, téléphone, télévision pour 29,99 par mois. La box, c'est une première mondiale. Elle est fabriquée en interne, ce qui réduit considérablement les coûts. Ce choix est directement lié à la manière dont on fonctionne chez Iliad, la société mère de Free. Encore aujourd'hui, bien qu'elle ait grossi, son modèle, c'est la start-up à la californienne. On est près de 9000 personnes dans le groupe. Si vous prenez la personne qui vous accueille au siège, eh bien, elle est sous la responsabilité directe du président de l'entreprise. Donc on continue encore aujourd'hui à essayer d'avoir des organigrammes extrêmement plats afin de motiver les gens et de conserver cet esprit ou cette volonté d'être une start-up qui a un peu grossi, mais cet esprit start-up, ce qui nous permet d'inventer des choses différentes, ce qui permet à tout le monde d'être responsabilisé, mais aussi intéressé au fonctionnement de l'entreprise. Actionnaire de l'entreprise, le personnel de Free, du moins le noyau historique, a bien profité des résultats. Mais on aurait tort d'avoir une image trop idyllique du patron. Xavier Niel, c'est d'abord une vision particulièrement rigoureuse de l'entreprise. C'est aussi un financier très habile. C'est quelqu'un qui a su très vite rentrer en bourse parce qu'il avait besoin de trouver de l'argent et il a su convaincre des investisseurs comme Goldman Sachs qui sont venus derrière lui pour lui faire confiance. Parce que les gens de Goldman Sachs avaient repéré Niel très tôt. C'est quelqu'un qui ne lâche rien, qui ne fait aucun compromis, aucun cadeau. Je vous donne un exemple qui est quelque chose d'assez illustratif. On déjeunait ensemble à peu près tous les deux mois. Et un jour, il arrive et il me cite 5 ou 6 noms de collaborateurs de mon entreprise en me demandant « Est-ce que tu es sûr qu'ils sont bien utiles ?» Il était en train de remarquer que j'avais un peu de gras chez moi, alors qu'on était une société qui, je crois, était assez sérieusement gérée. Et fondamentalement, il avait raison. Lui n'aurait pas toléré d'avoir une personne qui ne soit pas complètement indispensable dans sa structure. Après avoir dynamité le marché du fixe avec la box, Free va porter la guerre dans les mobiles. Une décision qui relève d'un calcul stratégique. Dans les années 2006-2007, on se dit qu'il faut à tout prix qu'on aille vers la téléphonie mobile parce que sinon, à un moment, on va se retrouver dans la difficulté. Et donc, on commence à faire un travail de lobbying pour tenter d'obtenir la création d'un quatrième opérateur mobile en France. Le lobbying de Free va trouver un allié persuadé des vertus de la concurrence. Dans le capitalisme, aujourd'hui, les États ont mis en place des garde-fous pour limiter la loi du plus fort et faire que la concurrence bénéficie aux consommateurs. En France, c'est l'autorité de la concurrence et son président, c'est Bruno Lasserre. L'autorité de la concurrence a été l'avocate de l'ouverture du secteur à une quatrième licence. Nous avions un oligopole. L'oligopole n'est pas condamnable en soi, mais l'oligopole avait cédé à la tentation de la collusion. La seule mesure, je dirais, à prendre, c'était donner chance à un quatrième et attendre de ce quatrième ce que le troisième avait fait pour secouer l'oligopole préexistant. La difficulté, c'est que le pouvoir public a considérablement hésité. Les lobbies étaient très puissants dans un sens ou dans un autre et le gouvernement a tergiversé. La raison de ces tergiversations, sur cette question, un affrontement en coulisses entre le président de la République et son premier ministre. François Fillon, lui,
est réceptif à l'argumentaire de Xavier Niel. On a quelques ministres qui nous écoutent, notamment le Premier ministre, qui se dit, voilà, c'est peut-être pas idiot, vu la condamnation par l'autorité de la concurrence d'une entente des trois acteurs en présence, peut-être que de mettre un acteur un peu disruptif là-dedans, ça peut avoir un sens. Et on commence à avoir un mécanisme, avec des oppositions, hein, tout le monde n'est pas pour, mais avec des oppositions, mais aussi un mécanisme pouvant laisser penser que peut exister un quatrième acteur. De son côté, Nicolas Sarkozy ne peut pas rester sourd à l'argumentaire de Martin Bouygues. En fait, à l'époque, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en avant pour expliquer à tous les étages des pouvoirs publics, tous ceux qui étaient en charge de ces sujets-là, que si on introduit un quatrième opérateur, ça nuit à l'investissement. Ça, avec beaucoup de précision, ça, on l'avait vraiment, vraiment beaucoup développé en 2009-2010. Chez Bouygues, on a des habitudes de connivence avec le sommet de l'État. Et Martin Bouygues est le parrain du dernier fils de Nicolas Sarkozy. Il attend de cette proximité un arbitrage en sa faveur. Et pourtant, coup de théâtre, François Fillon force la décision, faisant passer le décret de création de la quatrième licence. La petite histoire retiendra que ce fut à l'occasion d'un malaise vagal du président, mais au fond, celui-ci n'avait pas le choix. Nicolas Sarkozy était quand même le président du pouvoir d'achat. Donc dire aux Français « je suis le président du pouvoir d'achat », mais je vous donne pas de quatrième opérateur parce que je veux pas de concurrence dans le marché du mobile. Le mobile, à cette époque-là, est en pleine explosion. C'était pas tenable. Donc, en fait, il n'avait pas le choix. À ça, il faut rajouter, ce qui est quand même non négligeable, que l'État avait besoin d'argent. Hein, et que la vente d'une quatrième licence, évidemment, c'était un pactole. L'espace hertzien fait partie de ce que l'État peut vendre pour des utilisations commerciales quand il a besoin d'argent. 240 millions d'euros, trois fois moins que chacune des trois autres. Avec la quatrième licence, pas de quoi éponger le déficit budgétaire, mais c'est toujours bon à prendre. Vendre les fréquences et surveiller ce qu'on en fait, ce sont les missions de l'Autorité de régulation des télécoms, l'ARCEP. Et le président de l'ARCEP, à l'époque, c'est un conseiller d'État, Jean-Ludovic Silicani. Fin juillet 2009, que les candidats à cette quatrième licence 3G ont trois mois pour proposer leurs offres à l'ARCEP. Il se trouve qu'il n'y a eu qu'un candidat, qui est Free. Les pouvoirs publics n'ont pas choisi Free. Ils ont ouvert un appel à candidature et il y a eu un candidat. Alors après, ce candidat soit remplissait les conditions du cahier des charges, soit il ne les remplissait pas. S'il ne les remplissait pas, il y aurait eu un appel d'offres infructueux. Il se trouve que les obligations diverses qui étaient en cahier des charges, il les remplissait. Comme il était le seul candidat, il était retenu. La quatrième licence de téléphonie mobile est donc attribuée à Free. Xavier Niel triomphe, mais il va devenir la tête de turc d'un Martin Bouygues qui vit sa réussite comme un véritable camouflet. Il est une anecdote qui va connaître un étonnant développement. On dit alors que Martin Bouygues aurait traité Xavier Niel de Romanichel. Or, la vérité semble ailleurs. Le mot de Martin Bouygues daterait de quelques années auparavant. L'histoire, remettons-la dans son contexte, parce que l'histoire a été largement dévoyée. On demande à Martin s'il souhaite accueillir des opérateurs qui utiliseraient son réseau. Et sa réponse est de dire, je ne vais pas vous la donner au mot à mot, mais dans l'esprit, je ne vois pas pourquoi j'irais accueillir les Romains Michel sur la pelouse du château. Ça s'est transformé en quelque chose qui n'avait rien à voir, puisque effectivement, on fait l'association entre les Romains Michel et l'arrivée de Free Mobile, ce qui n'a strictement rien à voir. Les deux sujets sont totalement dissociés. Mais néanmoins, c'est comme ça que la légende se fabrique. Fabrication d'une légende sur fond d'incompatibilité d'humeur, Xavier Niel lui-même se convaincra que c'était bien lui, la cible de Martin Bouygues. Ambiance d'une drôle de guerre, prélude au déclenchement des hostilités. À partir du moment où on a obtenu cette licence, on a commencé à rencontrer tout le monde. Déjà un tout petit peu en amont, où les gens nous disaient « Est-ce vraiment sérieux et raisonnable d'aller demander une quatrième licence? Vous n'allez pas vous en sortir. Vous savez, c'est cher. C'est pas comme l'Internet. C'est un métier sérieux. » Voilà, des conseils avisés de nos concurrents ou futurs concurrents dans ce sens-là. Donc on commence à les connaître et à les voir tous. Mais quand vous allez voir un de vos concurrents qui vous dit « Vous n'allez pas vous en sortir », vous dites « Oh là là, qu'est-ce qu'on va gagner comme argent ?» L'argent avant tout. On se fait la guerre, on peut aussi faire alliance. C'est l'intérêt qui commande, même quand on est numéro un. Depuis 2011, le patron d'Orange, c'est lui, Stéphane Richard. Contrairement à Martin Bouygues et à Xavier Niel, ce n'est pas un entrepreneur à proprement parler,
mais un grand commis de l'État. Je suis un peu spécifique dans la mesure où je ne suis pas ingénieur et que malgré tout, je dirige un opérateur télécom. Ma formation est peut-être plus classique dans ce sens où j'ai fait HEC puis ensuite l'ENA et qu'on retrouve un certain nombre de personnes qui ont mon profil dans les grandes entreprises françaises. De Dominique Strauss-Kahn à Christine Lagarde, Stéphane Richard a connu les allers-retours entre cabinet ministériel et entreprise, sans oublier de faire au passage fortune dans l'immobilier. En 2009, il entre à France Télécom Orange, il en devient bientôt le patron, succédant à Didier Lombard et pacifiant une entreprise marquée par une série de suicides. Récemment mis en examen dans l'affaire Tapie et incité à démissionner, surprise, il est soutenu par les syndicats d'Orange et confirmé à son poste. Stéphane Richard sait se faire des amis partout. Quand vous êtes passé par l'inspection des finances, que vous avez été dans les couloirs de l'État, le réseau il vient naturellement. Mais en même temps, il ne le cultive pas au sens, c'est pas un acharné du réseau. Moi, je le connais bien, il n'est pas en train de dîner tous les soirs dans Paris avec le banc et l'arrière-banc de ceux qui décident ou de ceux qui décideront demain. Il est, par nature, un membre de cet appareil-là. Mais pour autant, le réseau est venu à lui plus qu'il est allé au réseau, je trouve. Orange, c'est une entreprise pas comme les autres. Elle incarne la complexité d'une mutation où le capitalisme d'État devient du capitalisme tout court. C'est une entreprise du CAC 40 qui comprend encore 50 000 fonctionnaires et dont l'État est encore actionnaire à 26 %. C'est clair que le fait d'avoir l'État comme actionnaire de référence nécessite beaucoup d'explications, beaucoup de pédagogie, nourrit beaucoup de fantasmes, beaucoup d'inquiétudes. D'une manière générale, quand même, moi, en tant que dirigeant d'Orange, j'ai reçu très peu de sollicitations directes, d'appels, par exemple, de la part des responsables politiques. Très peu. C'est quand même une entreprise dont la gouvernance est assez forte aujourd'hui. Je rappelle qu'on a une majorité d'indépendants au conseil d'administration du groupe. On a 3 représentants de l'État sur 15 membres. Très peu d'intervention directe de l'État dans nos affaires. Son indépendance de manager, il va la mettre en pratique. On va découvrir un Stéphane Richard ne s'embarrassant pas de scrupules excessifs quand l'intérêt de son entreprise le demande. En 2011, dans l'affaire qui suit, connue comme l'affaire de l'itinérance, le patron d'Orange sera celui par qui le scandale arrive. Comme Free était le nouvel entrant et que par définition il avait handicap en termes de réseau, il a obtenu le soutien du régulateur pour négocier avec les opérateurs existants une convention qui lui permettait d'utiliser leur réseau. Et ça a été notamment le fameux accord avec Orange qui lui a permis du jour au lendemain de devenir opérateur en utilisant essentiellement le réseau d'Orange. Cette possibilité de louer les installations de réseau d'un autre opérateur, dans le langage des techniciens, c'est l'itinérance. La chose était prévue dans l'appel d'offres pour la 4e licence, ce qui n'empêche pas tout un ensemble de manœuvres en coulisses. Je crois que nos concurrents, mais je ne suis pas sûr, mais je crois que nos concurrents s'étaient entendus en se disant « Aucun de nous donnera un réseau, donnera accès à l'itinérance ou à un autre réseau à Free Mobile ». Bon, la réalité était que les 3 nous ont fait des offres en nous disant « Non, non, mais surtout, le dites pas aux autres, voilà. » Donc, c'était assez drôle et assez sympathique. Ils vous jureraient que c'est faux, que personne jamais n'a fait ça et que seul Orange l'a fait, mais quand même, on avait des offres des 2 autres. Nous faisons une offre, comme les autres d'ailleurs. Sur le plan relationnel, ça me semblait pas... Je n'aurais pas parié 1 euro que Xavier Niel ait choisi notre proposition. Mais j'ai pas parié, remarquez, j'ai pas eu besoin de le perdre. Mais je pense que si j'avais parié, j'étais à peu près sûr de perdre. On se faisait aucune illusion. Mais on avait fait une bonne propagande néanmoins. On avait fait quelque chose de bien charpenté, qui nous semblait bien pour un opérateur qui arrivait. J'ai eu, bien sûr, un certain nombre de discussions directes avec Xavier Niel, assez peu, puisqu'en fait, ça a été bouclé rapidement. Hein. On a pris tout le monde de court dans cette affaire. Ce qui peut-être a d'ailleurs un peu indisposé nos camarades de jeu. On a pris un peu tout le monde de court en se disant aussi qu'on avait une fenêtre dans laquelle on avait un rapport de force dans la négociation avec Free qui nous permettrait d'avoir des prix de cette itinérance que moi je considère comme des prix élevés et Free aussi, c'est clair.
et qui, du coup, non seulement n'ont pas permis l'agressivité tarifaire de Free, mais au contraire, l'ont, d'une certaine façon, limité. Bonjour Xavier Niel. Bonjour. Allez, on rentre tout de suite dedans. Hein. C'est Orange qui va porter ces offres de Free quand même. Elles vont être portées par l'investissement d'Orange aujourd'hui. Orange nous vend un très bon réseau, très cher. Donc quand on achète le réseau d'Orange, on le subventionne. On le subventionne fort. Vous croyez qu'Orange nous fait un petit tarif discount? Il n'y a pas de tarif discount chez Orange. Orange vous a annoncé que ça générerait chez lui un chiffre d'affaires et sous-entendu un profit important. Je l'ai entendu parler d'un milliard d'euros. Un milliard d'euros. Vous croyez qu'ils nous vendent un réseau sans faire de profit? Moi, j'adorerais. Ceux qui ne l'ont pas eu, ils auraient préféré l'avoir, mais oui, c'est clair, parce que c'est des masses qui sont considérables. Enfin, qu'on n'a pas vraiment connues, mais chaque fois les chiffres sont donnés, c'est quand même des montants qui sont spectaculaires. Cette affaire de l'itinérance va pousser Martin Bouygues à diversifier ses têtes de Turc. Stéphane Richard va lui aussi en prendre pour son grade. Une rancune tenace, des mois après, Martin Bouygues ciblera ainsi le patron d'Orange. Si c'était l'un de mes collaborateurs, je l'aurais viré. Les réunions qui ont pu exister après avec les deux autres ont été difficiles, en particulier avec Martin Bouygues. Qui a vraiment, depuis l'origine, hein, considéré cette affaire d'itinérance comme un scandale et qui m'en a beaucoup voulu. Qui en a beaucoup voulu à France Télécom, à moi personnellement aussi. Et je me souviens en particulier d'un épisode où je l'ai vu chez un ami commun et où on a eu des éclats de voix. On a eu vraiment une vraie altercation, quoi. Et parce que j'en avais marre, moi, d'être mis en cause continuellement avec ça. Et donc, je lui ai dit, ça suffit maintenant. Il y en a marre de ça, il y en a marre. L'itinérance, on l'a faite parce que c'était dans l'intérêt de France Télécom et c'était surtout une clé du système qui a été voulue par les pouvoirs publics. Point final. 10 janvier 2012, un an à peine après avoir signé l'itinérance, Xavier Niel lance Free Mobile en tirant à vue sur les trois opérateurs en place. Bonjour, bonjour, merci. Merci d'être venus aussi nombreux. Franchement, quand même, c'est nous tous les pigeons. Enfin, c'est surtout vous maintenant, parce que moi, je suis déjà passé chez Free Mobile. Jusqu'à présent, vous avez été pris pour des vaches à lait et que vous avez besoin de donner une leçon à votre opérateur. On vous laisse le choix des armes. Ce qu'il propose est une véritable déclaration de guerre. C'est le début de la guerre des prix. On a décidé de faire un forfait à un prix qui soit accessible à tout le monde. À un prix de 19,99€. Je vais vous dire quelque chose qui est super simple. Si pour la partie service de votre abonnement, vous payez plus de 19,99€ et que vous n'appelez pas votre opérateur et que vous venez pas ou que vous ne venez pas chez Free, les pigeons, c'est vous et vous le savez maintenant. J'ai pas le sentiment que ce jour-là, on prend un risque, on fait un coup de poker. Juste, on se dit, voilà, on va lancer ça. On est dans un métier de masse, donc il faut qu'on soit dans des prix de masse. On est dans un marché dans lequel les niveaux de marge sont élevés. Nous, on gère plutôt bien notre entreprise, donc on va quand même conserver des niveaux de marge élevés. Et donc, on a juste appliqué sur le mobile ce que l'on avait fait sur le fixe. Donc, c'était très simple pour nos concurrents de deviner ce qu'on allait faire. Oui, les concurrents savaient, c'était écrit noir sur blanc dans les engagements de Free, mais ils n'avaient pas anticipé le coup final, un coup de théâtre à la Xavier Niel. Mais surtout, il y a quelque chose d'autre qui nous a beaucoup plus choqué que cela. Vous avez, en France, il y a quelques mois, un forfait mis en place par les opérateurs sous pression de Bercy pour offrir quelque chose qui s'appelle le forfait RSA, 40 minutes de voix et 40 SMS pour 10 euros. C'est-à-dire que l'État s'est entendu avec les trois opérateurs monopolistiques de ce pays pour faire quelque chose, un forfait RSA que l'on appelle, nous, en interne, le forfait raquette super arnaque. C'est-à-dire, plus vous êtes pauvre, plus je vous en mets dans la tête. Moins vous avez de moyens, plus je vous vends des choses chères. C'est scandaleux. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Ben, on augmente. On met 60 minutes en plus, on met 60 SMS en plus. Alors, vous allez me dire, OK, vous avez mis plus, vous avez fait la meilleure offre, vous allez nous diviser les prix par deux. Non, on ne va pas diviser les prix par deux. Vous allez diviser les prix par trois. Non, on ne va pas diviser les prix par trois. Vous allez diviser les prix par quatre. Non, on ne va pas diviser les prix par 4. On va diviser les prix par 5. On va diviser les prix par 5 et on va faire un forfait à 2 euros. Un forfait à 10 euros. On ne fait pas de perte. On fait de la marge. On fait de la marge à 2 euros. C'est vous dire à quel point vous vous êtes fait avoir et à quel point les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous, on leur a tapé dans la tête de manière scandaleuse.
Est-ce qu'on méritait tous ces noms d'oiseaux et ces qualificatifs? Honnêtement, je ne crois pas. J'ai été blessé, et blessé pour moi, mais je dirais plus que pour moi, pour tous les gens qui travaillent ici depuis des décennies. Qu'il y ait un nouvel opérateur, c'est une chose, qui développe sa stratégie, on peut tout à fait l'admettre, même si ça pose évidemment des vrais défis pour nous, mais le faire dans ce discours avec des accents quand même assez démagos, assez populistes, et qui comprenait quand même une certaine dose de stigmatisation des opérateurs qui étaient là, je pense que c'était inutile, mais bon. Merci d'être venu, et je vous dis à très bientôt pour Ici ou ailleurs. Au moment de la conférence de presse de Xavier Niel, moi je suis en train de préparer une conférence de presse de Bouygues Télécom que nous faisons la semaine suivante sur le lancement d'une nouvelle box. Donc je n'ai pas vu cette conférence de presse, ce lancement. Les collaborateurs ont considéré que les propos qui étaient donnés, qui étaient quand même... On a le droit à un torrent d'injures et de critiques assez nourri quand même. Ils ont dans l'ensemble considéré que c'était plutôt quelque chose qui n'était pas très juste, qui était quand même un peu excessif. Et le juge a même considéré que c'était excessif, puisqu'il a lourdement condamné Xavier Niel pour les propos qu'il avait tenus pendant cette conférence de presse. Xavier Niel a été condamné plusieurs dizaines de millions d'euros, donc assez lourd, mais probablement plus économe que de faire une campagne de pub du même type. Donc en termes marketing, c'est plutôt pas mal. C'est une transgression de la loi pour économiser des frais marketing, c'est un point de vue, hein. La guerre économique façon Xavier Niel inclut la guerre psychologique et même la guéguerre personnelle. Chez Free, on profite au maximum de l'histoire des Romanichel. On a même eu le droit à des petites pancartes dans Paris, des petits véhicules qui passaient où il y avait une image d'une maison avec une pelouse, avec des gens qui mangeaient dessus. Je ne sais plus quel est le terme précis, mais c'est les Romanichel sont sur la pelouse ou je ne sais plus quoi. On ne s'était pas signé en bas, hein. Mais on a eu le droit à ça devant notre bâtiment, devant le siège, et on l'a eu ici, devant le siège de Bouygues aussi, avec un petit véhicule qui roulait. Ça a duré plusieurs jours. Tant de factures à payer, tant d'appels non illimités, je n'en peux plus de mon forfait. Le phénomène n'atteint pas seulement Bouygues Télécom. L'offensive du général Niel fait mouche sur les jeunes et les décalés, comme on dit. C'est une communauté de fans et dès les premiers jours, une véritable déferlante. Certains vont jusqu'à mettre en scène leur divorce avec leur opérateur ainsi ringardisé. Pourquoi est-ce que c'est toujours la guerre, Xavier Niel? Pourquoi est-ce qu'hier encore, vous leur en avez mis plein la tête? Il y a des gens qui bossent dans ces boîtes quand même et qui ont entendu « Vous avez racketté les plus pauvres pendant des années ». C'est ça que vous leur avez dit quand même, Xavier Niel. Mais la question c'est, est-ce que c'est vrai ou pas? Ok, peut-être, mais est-ce qu'on leur a dit la vérité? Est-ce qu'on accepte dans ce pays, enfin, un tout petit peu de concurrence? Parce que ce qu'on a fait hier, c'est qu'un tout petit peu de concurrence. Soit dans ce pays, on estime qu'on est un pays capitaliste. Et dans ce cas-là, la concurrence, elle existe et elle doit être dure. Parce que si la concurrence n'est pas dure, elle n'existe pas. Ben nous, quand on arrive dans un secteur, on ne regarde pas ce qui a été fait en baissant les prix de 10% pour faire genre. Quand on arrive dans un secteur, on arrive et on se met au prix que l'on considère le prix juste. Mais la vraie question, c'est pas comment on fait, c'est comment les autres ont pu faire pendant des années pour continuer à vendre ça 5 fois plus cher. C'est ça la vraie question. Et j'invite mes concurrents, le plus vite possible, à venir coller tous leurs tarifs sur le service pur à 19,99. Ils traînassent là. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils baissent les prix. Quand du jour au lendemain, vos prix sont divisés par deux, c'est pas, on peut utiliser d'autres vocables, c'est une concurrence accrue, de facto c'est la guerre. On a eu une organisation qui était une organisation de guerre, avec des réunions, il y avait une war room quelque part, et on regroupait toutes les informations, on faisait des réunions quasi quotidiennes pour évaluer la situation et voir quels étaient nos éléments de riposte. Il y a quelque chose de l'ordre de l'armée en marche, c'est une solidarisation de l'ensemble des équipes d'Orange qui a permis de résister à ce tsunami. La machine Orange est solide, elle peut perdre 600 000 abonnés sans trop souffrir, mais il n'en est pas de même pour ses concurrents privés. Comme souvent dans l'économie capitaliste, la guerre des prix finit par révéler une contradiction entre deux dimensions de moins en moins conciliables, le pouvoir d'achat et l'emploi.
En octobre 2012, 9 mois après le début des hostilités, premier bilan, SFR plus de 1000 emplois supprimés, Bouygues Télécom le plus atteint en proportion près de 600. Dans la guerre économique, la première victime d'un nouveau prédateur, c'est le plus petit de ses concurrents. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, 40 millions de personnes en France peuvent désormais profiter du plus grand réseau 4G. 1er octobre 2013, comme un copier-coller du décollage de la fusée de Xavier Niel, on rejoue la guerre des étoiles chez Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, le progrès vous appartient. L'opérateur vient de lancer avec succès son service 4G, l'Internet haut débit sur le mobile. Un moment fragilisé par le tassement de ses marges et acculé à licencier 10% de ses salariés, Martin Bouygues a lancé sa contre-offensive. Cette arrivée de la 4G, c'est vraiment ce qui marque le début de notre reconquête de clients mobiles. Quand vous êtes un acteur plus petit que les autres, vous avez l'obligation, pour pouvoir vous développer vite, d'être différent. La 4G, c'est la nouvelle révolution, c'est nous qui l'initions. Et quand on arrive avec cette 4G, on nous explique que ça sert à rien. Tout le monde, nos concurrents nous disent que ça n'a aucun intérêt. Il y a un d'entre eux qui nous explique que personne ne voit d'intérêt à la 4G. Et pour autant, cette 4G, elle bouscule tout le monde. Et finalement, tout le monde se met à faire de la 4G assez vite. Alors, se met en tout cas à lancer des offres 4G, pas nécessairement en avoir, mais tout le monde essaye de faire des choses derrière pour avoir une 4G. La 4G de Bouygues Télécom cartonne 1 million d'abonnés dès le premier mois. Pour Martin Bouygues et les autres concurrents de Free qui ont investi dans des réseaux performants, la 4G, c'est une promesse de revanche. Pour Xavier Niel, à l'inverse, c'est l'occasion de jouer encore une fois les troubles faits. La 4G, ça marche pas ? Si, mais ça commence. Les opérateurs déploient des antennes et pour des raisons autres, ils se sont sentis obligés d'avancer le lancement de la 4G afin de pouvoir augmenter leur prix et en engranger toujours plus de bénéfices. C'est pour ça que vous restez prudemment à l'écart. Vous dites non. Qu'ils essuient les plâtres et je viendrai derrière. Non, mais on les laisse monter leur prix tranquillement pour revenir et puis de se dire on va recommencer par rediviser par deux les prix du marché. Vous allez refaire le même coup que sur la 3G. On va pas se priver, si. Dans l'économie de marché, la guerre éclair de riposte est souvent payante. Quelques semaines plus tard, c'est par un tweet que Xavier Niel annonce son offre 4G. Elle est au même prix que la 3G. Maintenant, la 4G est incluse. Avec 20 gigaoctets d'Internet. Oui, 20 gigas. Chez les adversaires de Free, on est furieux. On parle de publicité mensongère. On souligne que Free ne dispose que de 700 antennes 4G, quand SFR en a plus de 1000, Orange près de 4000 et Bouygues plus de 5000. Aujourd'hui, il n'a pas de réseau, il n'a pas de fréquence. Il ne peut donc pas proposer une offre 4G digne de ce nom. Il le fait avec une offre qui est faite pour les pigeons. Ce n'est pas difficile de donner gratuitement quelque chose qui n'existe pas. Et aujourd'hui, la 4G de Free, avec 700 antennes pour couvrir toute la France, ben c'est du vent. Que ce soit du bluff ou pas, une nouvelle fois, l'offensive Free fait baisser les prix de tout le monde, creusant encore plus les difficultés des opérateurs. Le plus atteint, évidemment, c'est encore Bouygues Télécom. Tout le monde se satisfait de la baisse des prix, certes, mais les opérateurs sont entraînés dans une guerre des prix qu'ils ne peuvent pas assumer. On est obligé de changer brutalement de modèle économique. C'est un plan de restructuration qui va toucher 1500 personnes. Nous avons déjà fait un premier plan en 2012 qui a touché 550 personnes. Bouygues n'est pas du tout un groupe qui a une tradition sociale agressive, dure, difficile. Au contraire, on a toujours fait d'énormes efforts pour préserver la situation de l'emploi et un bon climat social dans notre groupe. Et moi, je vais vous dire, pour moi, c'est un truc horrible. C'est la chose la plus terrible que j'aurais fait dans ma carrière. Nous, c'est 40% de nos collaborateurs dont on a dû se séparer. Donc c'est quelque chose de très significatif. C'est quelque chose de lourd, de difficile de toucher à l'emploi, vraiment difficile. Moi, je suis arrivé chez Bouygues Télécom en 95, je suis arrivé à la base de l'entreprise. J'ai gravi les échelons progressivement. Je connais énormément de collaborateurs par leur prénom, énormément. Et quand on avait les listes potentielles de collaborateurs, j'en connaissais beaucoup. C'est pas pareil de faire un plan de réduction d'emploi quand vous connaissez quand vous mettez un visage, que vous connaissez la situation personnelle des gens. C'est pas dans Excel, ça. Ça, c'est un truc avec des listes. C'est infiniment plus compliqué.
C'est très triste. Heureusement, cette année-là, les dividendes versés aux actionnaires ne diminueront que de 2%. Pour Martin Bouygues, ça donne 100 millions d'euros au lieu de 102. Mais c'est au plan social que le pouvoir politique va réagir, pas à la distribution de dividendes. Décembre 2013, le ministre du Redressement Productif, Arnaud Montebourg, tweet « Toujours plus de destruction d'emplois dans les télécoms grâce aux excès low-cost de Free Mobile ». Mais comme toujours, Niel aura le dernier mot. Free a créé 5000 emplois. Le ministre ne peut pas en dire autant. La faute de Free, c'est destruction d'emplois. C'est le fait qu'il y ait aujourd'hui un quatrième opérateur qui a lancé une course à la baisse des prix que tout le monde est obligé de suivre. Sinon, ils perdent leurs clients. Donc cette mécanique peut être dangereuse. Donc moi, je vais vous dire, j'ai appelé M. Niel. On va se voir entre hommes. Et on va se causer. Les sorties d'Arnaud Montebourg masquent mal son impuissance. Impossible d'arbitrer entre la baisse des prix pour le consommateur et l'emploi dans le secteur. Et c'est un nouveau venu qui va venir illustrer encore davantage l'impuissance de l'État face aux grands groupes capitalistes. Il va apporter dans la guerre des télécoms les méthodes du capitalisme financier du XXIe siècle. C'est le patron de Numéricable, Patrick Drahi. Je voulais être prof quand j'avais 15 ans. À 20 ans, je voulais être patron d'entreprise. Et à 25 ans, je voulais être entrepreneur à mon compte. Alors Drahi, lui, c'est le petit juif marocain, brillant, qui croit dans les vertus de la mobilité sociale, de l'élitisme républicain, et qui de Casablanca arrive à Paris et va faire une bonne prépa. Il va intégrer Polytechnique, il va intégrer le corps des télécoms en faisant Subtélécom. Et lui, qui est un vrai homme de télécom, un vrai ingénieur qui a une passion, saisit une opportunité qu'il est le seul à voir, qui est l'opportunité du câble, en se disant, mais pourquoi diable, le câble marche partout et en France, ce n'est qu'une source de perte et de malédiction. Dans le câble, l'investissement le plus important, c'est celui qui consiste à ouvrir des trottoirs, à tirer des conduites et à mettre dans ces conduites des câbles. Ça, c'est des millions et des millions, des centaines de millions et des milliards d'euros. Et des années de travail. Moi, cet argent, je ne l'avais pas. J'avais un prêt étudiant de 50 000 francs. Donc avec ça, j'allais pas loin. Je terminais la fin du mois, c'était tout. Donc j'ai bien été obligé de m'associer à des gens qui avaient l'argent. Au départ, c'est de la finance style start-up. Il valorise son temps de travail en actions de la société et rétribue l'investisseur, puis lui-même, sur les bénéfices que permet une gestion de fer. Ensuite, pour grandir, ce sera une autre technique financière typique des racheteurs d'entreprises, comme un Bernard Tapie en son temps. Là, qu'est-ce qu'on fait ? Je me dis, je suis le 24e opérateur de câble, mais je me dis, les autres, ils sont plus gros, mais ils ne sont pas meilleurs, puisqu'ils perdent de l'argent. Moi, je suis petit, mais je gagne de l'argent. Je vais aller voir le banquier, je vais lui expliquer mon truc, et je vais acheter le numéro 23, le numéro 22. Là, on commence à faire des montages de type LBO au moment du rachat. C'est des fonds qui mettent l'argent et qui empruntent d'une façon importante pour complémenter le capital par de l'emprunt bancaire pour acheter des choses plus grosses que soi. Et c'est la seule façon de faire si vous voulez garder le contrôle de votre entreprise. Ou sinon, vous vous faites diluer, vous avez 1% du capital. De réseau câblé en réseau câblé, ça fait tache d'huile. Jusqu'à ce que se présente un appel d'offres pour racheter les numéros 1 et 2 du câble en France. Je rachète à ce moment-là UPC avec Nous. Pourquoi c'est moi qui gagne? C'est pas parce que je suis plus intelligent. C'est parce que c'est moi qui paye le plus cher. Quand tu as un appel d'offres, c'est que le prix qui compte. Les gens, ils s'en foutent du blabla. On a mis 3 ans à restructurer cette société, à la fusionner. Marque unique, organisation unique, système d'information unique, marketing unique. Et à partir de 2009-2010, on repart en croissance. Au printemps 2005, premier bilan des restructurations chez Nous Numéricable, devenu l'opérateur presque unique du câble en France. 2000 suppressions d'emplois, les sous-traitants mis sous pression, beaucoup mettent la clé sous la porte. Mais cela assure le remboursement d'une dette de 3 milliards d'euros et pour les actionnaires, 100 millions d'euros de dividendes par an. L'image de Patrick Drahi, un entrepreneur avide d'économie jusqu'à l'excès, à pro-gain. Drahi, c'est une autre figure du capitalisme qui est la figure de ceux qui achètent pas avec leur argent, avec peu de leur argent, par emprunt et en mettant l'emprunt sur l'entreprise. Ensuite, on fait pisser l'entreprise, passez-moi l'expression, pour qu'elle paye son emprunt et à la fin, on est riche. Parce qu'on a une entreprise qui s'est payée toute seule.
si j'ose dire. Alors, c'est de l'entreprise de l'époque de la déréglementation financière, c'est-à-dire de l'époque dans laquelle toutes sortes de montages financiers extrêmement complexes sont possibles, dans lesquels il est possible de s'endetter en cascade sur l'ensemble de la planète. D'autres ont jeté leur dévolu sur de tout autre secteur et pratiquent exactement de la même manière. Donc, si vous voulez, ce qui est caractéristique dans sa démarche, c'est pas les télécoms, c'est la manière dont il opère. Maintenant, on applique ces méthodes à chaque fois qu'on reprend une entreprise. Et c'est des méthodes qui marchent. Voilà. C'est des méthodes qui changent les habitudes des gens en place, c'est sûr. Parce que si c'est pour faire la même chose que ce qu'ils faisaient, bah, je vais pas améliorer. Je vais continuer à perdre. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc une équipe qui perd, on la change. La soif de conquête de Patrick Drahi ne va pas s'arrêter là. Bientôt, il va rejoindre le club des milliardaires des télécoms. Depuis 2011, SFR, le numéro 2 du mobile, appartient au groupe Vivendi. Comme souvent à la tête des entreprises capitalistes, les divergences stratégiques et les luttes pour le pouvoir sont liées. Vivendi est un groupe à deux têtes. Jean-Bernard Lévy, le président du directoire, veut garder SFR. Jean-René Fourtou, président du conseil de surveillance, veut vendre. L'affaire du rachat de SFR commence début 2013 par une rencontre entre Jean-René Fourtou et Patrick Drahi. Bon, j'appelle M. Fourtou, je me donne rendez-vous, je vais le voir. Je lui dis, écoutez, voilà, moi je pense qu'il y a un super truc à faire, c'est de fusionner SFR et Numéricable. Et je suis prêt, parce que moi j'étais petit, je suis prêt à être minoritaire, parce que j'ai eu l'habitude toute ma vie d'être minoritaire à côté des grands investisseurs américains, mais j'ai une seule condition, c'est que c'est moi qui gère. Il me dit, bah, attendez, écoutez, nous on réfléchit chez Vivendi, on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire pour l'instant, mais a priori on ne veut pas acheter, on est plutôt vendeur. Je tourne ma casquette, je dis, bah, écoutez, moi je suis venu pour discuter, je voulais vendre, bah, à ce moment-là je rachète, c'est pas un problème. Je dis, bah, revenez nous faire une proposition. Donc en septembre 2012, il y a eu les premières fuites dans la presse, je fais une première offre de fusion entre Numéricable et SFR. Et là, ça passe pas. Et là, je me dis, ce qui me manque, c'est que je suis pas coté en bourse. Donc je vends en bourse, je rentre Numéricable en bourse fin 2013. L'introduction en bourse d'Altice, le groupe de Drahi, ne peut que plaire à Jean-René Fourtou, qui est avant tout un financier. S'il décide de vendre SFR, il aura un bon acheteur sous la main. Chez Bouygues Télécom aussi, on a SFR en ligne de mire. D'autant plus que fin 2013, à l'occasion d'un accord technique de partage des réseaux Bouygues et SFR, Jean-René Fourtou a vu Martin Bouygues et lui a fait miroiter un rapprochement plus étroit. Fini les difficultés, Martin croit mordicus qu'il va mettre la main sur SFR et devenir le numéro 1 des télécoms mobiles, mais son euphorie sera de courte durée. 2014 avait une info dans la presse un dimanche de mémoire, de février, où on découvre qu'il y a une proposition qui a été faite par Patrick Drahi vis-à-vis de Vivendi, bon, qui ne correspond pas exactement à l'idée qu'on se faisait de la négociation. Et donc bah, après, on rentre dans un process de négociation très standard pour faire la meilleure proposition face à Patrick Drahi. Pour racheter SFR, Martin Bouygues doit anticiper ce que ne manquera pas d'exiger l'autorité de la concurrence, revendre son réseau au seul acheteur possible, celui qui n'en a pas, Free Mobile. Ce qui peut paraître peut-être incongru, l'accord que nous trouvons avec Free, c'est un accord. On démarre les discussions un mercredi midi et on les termine dans la nuit du vendredi au samedi de la même semaine, à 2h du matin. C'est quelque chose qui se fait sans l'intervention ni de Martin Bouygues, ni de Xavier Niel. À l'époque, j'ai plus le chiffre en tête, je crois qu'on parle d'1,8 milliard, quelque chose comme ça. Donc on fait pas. Enfin, c'est un truc qui se fait assez vite quand même, avec une assez forte autonomie de chaque côté pour pouvoir conclure le deal. Nous très autonomes vis-à-vis de Bouygues et eux très autonomes vis-à-vis de leur actionnaire de référence. Notre ennemi juré. On peut dire que c'est Bouygues, et on arrive en 2 jours à se mettre d'accord sur un partage de SFR. Donc vous êtes quand même, ce qui monte bien un peu dans un jeu de rôle où tout le monde crie, mais bon, ça reste quand même assez sympathique. Et on sait se parler quand on doit se parler. Dans le camp, disons, institutionnel, on appuie à fond la solution Bouygues pour racheter SFR. Stéphane Richard approuve et le gouvernement le soutient. Ils sont convaincus qu'un retour à 3 opérateurs sera bon pour le business, donc bon pour l'emploi dans le secteur. J'ai tout le monde contre moi.
Martin Bouygues, j'ai Xavier Niel, j'ai France Télécom, j'ai l'État. Sauf que Martin Bouygues n'arrive pas à rassembler les capitaux. Moi, ça me prend 5 minutes au téléphone. J'ai mon banquier, je lui dis, voilà, c'est 12 milliards. Bon, je rappelle, non, c'est 13. Bon, OK, non, c'est 14, ça prend à chaque fois. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que c'est pas une banque. Il y a 40 banques dans le monde entier. Mais ça va relativement vite. Et comme ils ont confiance en moi, pourquoi? Parce qu'ils me connaissent depuis 1995. Et qu'à chaque fois que j'ai emprunté, j'ai remboursé et j'ai développé. Et j'ai fait gagner de l'argent à tous les gens qui ont investi avec moi. Eh bien, ça va relativement vite. Et celui qui vend en face, ça le rassure. De voir qu'on est capable de livrer, de voir qu'on a les équipes pour gérer l'entreprise, que tout ça est limpide, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a que des solutions. L'adversité ne fait pas peur à Patrick Drahi. Il a deux ou trois longueurs d'avance. Mars 2014, malgré la proposition de Martin Bouygues, c'est avec Altice que Vivendi décide de discuter de manière prioritaire. Pour autant, chez Bouygues Télécom, on ne va pas laisser tomber. À ce moment-là, Bouygues Télécom n'a cessé, enfin Bouygues en tout cas le groupe, n'a cessé de formuler des contre-offres. À une époque, il y en avait deux par jour, une le matin, une le soir. Ça recommençait le lendemain, c'est-à-dire que jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, Bouygues est allé dire à Vivendi « Je veux SFR, voici une offre, mais ça n'a rien donné. » C'était vraiment une bataille incroyable. Patrick Drahi, dans la dernière nuit de négociation pour le rachat de SFR, il a quand même rajouté 2 milliards d'euros dans la balance en quelques heures. Pour lui, c'était vraiment le point de départ de cet envol qu'il attendait quand même depuis 20 ans. Pour ça, SFR, c'est très important. C'est vraiment le début de l'ère Drahi, de la story Drahi. Finalement, Patrick Drahi remporte la bataille et empoche SFR pour 17 milliards d'euros. Le clan Altis triomphe. De son côté, Martin Bouygues est persuadé d'avoir été instrumentalisé par Jean-René Fourtou pour faire monter les enchères. Il se sent le dindon de la farce, il est furieux et il n'est pas le seul. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Messieurs, c'est à vous. Jean-René Fourtou de Vivendi a choisi Numéricable. Cela pose un certain nombre de problèmes. D'abord parce que Numéricable est une petite entreprise par rapport à ce qu'est SFR. C'est une entreprise de 5 milliards qui s'endette à hauteur de 10 milliards pour acheter plus gros que lui. Et quand, vous savez, on a les yeux plus gros que le ventre, on risque de se mettre en risque. Et ce que nous craignons, c'est le surendettement. Vous achetez à crédit, si le marché se retourne, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les entreprises qui ensuite tombent et licencient leur personnel. Quel est le recours de l'État ce matin? L'État n'est pas, comme vous le savez, dans une... Ce sont des groupes privés, évidemment. Voilà, l'État n'est pas le propriétaire des uns des autres. C'est encore une fois l'aveu de l'impuissance de l'État devant les grands groupes privés. Derrière les façades de verre et de métal de ces sièges sociaux, le capitalisme mondialisé d'aujourd'hui impose sa loi. Pas seulement aux États. Endetté pour des dizaines de milliards d'euros, Patrick Drahi est sous pression de ses créanciers, les banques, les fonds d'investissement. Il doit réussir son coup. Et son coup, c'est dans les 5 années à venir de rembourser les 30 milliards d'euros de dette qu'il a emprunté pour acheter société. Donc s'il veut le faire, il faut qu'il dégage des marges, donc il faut qu'il coupe des coûts, donc il faut qu'il sorte des gens, il faut qu'il réorganise ses sociétés. Et ça, ça se fait de manière extrêmement violente. Polytechnique plus Télécom, Patrick Drahi aime s'entourer de ses semblables quand ils partagent les mêmes valeurs. C'est le cas de Michel Combes, un ami de 20 ans. En matière de réajustement, il a de solides références. Il vient de redresser Alcatel-Lucent au prix de 10 000 suppressions d'emplois. Début 2016, Drahi fait de lui le PDG de SFR. La réduction des coûts est une nécessité absolue pour toute entreprise. Et quelle qu'elle soit, et dans quelque secteur qu'elle soit. C'est-à-dire qu'une entreprise doit toujours avoir la structure de coûts la plus compétitive possible, de manière à pouvoir dégager des ressources financières qui seront allouées à la croissance, au développement, à la diversification. Et donc c'est encore plus vrai quand vous êtes actionnaire personnel d'un groupe. Patrick n'a jamais vendu un seul actif dans les télécoms. Donc ce n'est pas une logique très court terme. J'achète, je restructure brutalement et je revends derrière. Donc il n'y a pas un seul actif qu'il ait revendu. La seule chose qu'il fait en plus de tout le monde, c'est qu'il pense que lorsqu'on veut faire un ajustement, il est mieux de le faire très vite, donc prendre le choc très rapidement, quitte à générer quelques difficultés pendant cette période,
plutôt que le faire sur la durée. C'est-à-dire qu'il préfère faire en 6 mois ce qui peut être fait en 3 ans. Et très objectivement et très honnêtement, pour avoir vu faire beaucoup d'entreprises dans ce secteur, je pense qu'il a raison. Parce que si on le fait sur la durée, en fait, on génère à l'intérieur de l'entreprise de l'anxiété. Il vaut mieux très vite dire ce qu'on va faire, le faire, pour pouvoir rebondir et repartir de l'avant. Vite fait, bien fait, dès les premiers mois, ASFR, 700 emplois supprimés. Et la mise en œuvre d'une technique spéciale pour mettre les sous-traitants sous pression. On tarde à payer. Quand le sous-traitant est aux abois, il est prêt à accepter un rabais drastique pour sauver les meubles. En revanche, rien n'empêchera le patron d'Altis de servir avant tout ses actionnaires, y compris lui-même. En 2015, SFR a distribué 2,5 milliards de dividendes. Et pour pouvoir distribuer ces 2,5 milliards de dividendes, elle en a emprunté 1,6 milliard parce qu'elle ne les avait pas. Ça veut dire que la distribution de dividendes prime sur tout le reste, y compris on fait la distribution de dividendes quand il n'y a pas de profit sous forme d'endettement. Et après, évidemment, il va falloir faire des gains de productivité pour payer cet endettement. C'est le capitalisme. Non, c'est le capitalisme d'aujourd'hui. C'est le capitalisme d'actionnaire. C'est le capitalisme dominé par le capital financier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Drahi s'est lancé là-dedans jusqu'à présent avec un certain succès. Il faut attendre la fin de l'histoire. Hein. Je veux dire, la fin de l'histoire, elle n'est jamais écrite. Hein. Début 2015, ambiance morose chez Bouygues Télécom. Fragilisé par la guerre des prix, Martin Bouygues l'est encore plus depuis sa défaite dans l'affaire SFR. Un scénario semble alors s'imposer. Retour à 3 opérateurs pour consolider les bénéfices. Et si l'un doit disparaître, ce sera Bouygues Télécom. Ainsi commence un jeu de dupes en forme de suspense dont les protagonistes sont nos 4 grands patrons. Juin 2015, insatiable, Patrick Drahi propose d'acheter Bouygues Télécom. Il est au ministère de l'économie pour s'expliquer. Le ministre Emmanuel Macron n'est pas favorable à un retour à 3 opérateurs. Il craint que cela ne favorise une remontée des prix, un sentiment partagé par l'autorité de la concurrence. Il faut faire en sorte, si ce passage à 3 se fait, qu'il préserve la dynamique concurrentielle et que reste au moins au sein de ces 3 un maverick, quelqu'un qui a faim, qui a envie de conquérir des clients, quitte à remuer l'ordre établi et à tailler des croupières aux 2 autres sans être solidaire d'un espèce de consensus tacite avec les autres. Mais chez les opérateurs, le retour à 3 fait consensus. Tout le monde veut mettre la main sur Bouygues Télécom. Petit retour en arrière, quelques mois auparavant. Je crois que c'est d'abord Xavier qui est allé en premier. Moi, je venais de faire SFR, donc je ne pouvais pas y aller. Xavier est allé en premier, Stéphane est allé en second. Et tout ça, on le sait, puisqu'on lit les journaux ou on se parle un petit peu. Et puis moi, je suis allé en troisième, en janvier 2015. Martin Bouygues, j'ai cru comprendre assez clairement qu'il me demandait de lui porter une offre, ce que j'ai fait. Martin Bouygues va réussir, de manière assez habile d'ailleurs, à faire monter un peu tout le monde au cocotier. Et Patrick Drahi, finalement, va être le lièvre fabuleux qui va tenter de racheter Bouygues Télécom, qui va faire plusieurs offres. Là, on est dans toute l'année 2015. Où successivement, en février, en mars, en mai puis en juin, propose au groupe Bouygues 7 milliards, 7 milliards et demi, 8 milliards, 9 milliards, et puis un jour, au mois de juin, propose 10 milliards d'euros, qui est évidemment un chiffre symbolique, puisque c'est un nombre à 2 chiffres, propose 10 milliards d'euros à Martin Bouygues. Là, tout le monde pense qu'il va accepter, parce que c'est une somme, en fait, c'est 2 fois le prix de Bouygues Télécom. Et là, Martin Bouygues refuse. Et là, tout le monde se dit, ce type, Martin Bouygues, est totalement fou. RTL Matin. 7h48 sur RTL, Jean-Luc Salapati, vous recevez Martin Bouygues. Bonjour Martin Bouygues. Bonjour. L'offre était belle, Patrick Drahi, propriétaire de l'opérateur téléphonique SFR, offrait 10 milliards d'euros pour acheter votre société Bouygues Télécom. Et hier soir, à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire, vous avez rejeté cette offre. Pourquoi ? Je considère qu'une entreprise, ce n'est pas une marchandise comme une autre. Tout n'est pas à vendre. Et dans cette affaire, nous avons maintenant recréé un projet d'entreprise pour Bouygues Télécom, avec beaucoup de sacrifices de la part des salariés. Et je pense que nous avons maintenant des offres qui sont extrêmement crédibles, extrêmement fortes, extrêmement puissantes, qui déstabilisent nos concurrents. Mmh. Eh bien, évidemment, je comprends que ça les énerve et qu'ils cherchent à nous faire disparaître. Donc vous avez qualifié hier soir l'offre de Patrick Drahi de pas sérieuse. Que vouliez-vous dire ?
Pourquoi n'était-elle pas chère ? 10 milliards d'euros, tout de même, c'est plus que la valorisation traditionnelle qu'on accorde à Bouygues Télécom. Je le répète, tout n'est pas une histoire d'argent. Quelques semaines plus tard, Martin Bouygues précisera son état d'esprit à l'aide d'une de ses métaphores qui sont sa marque de fabrique. Ça, c'est une petite phrase qui est prononcée au mois d'août qui suit cette opération. Martin dit à un journaliste, « Pondriez votre femme, vous ?» Bon. Donc... C'est drôle. C'est un rapport affectif important à l'entreprise. Quand vous vous appelez Martin Bouygues, que vous êtes le fils de Francis Bouygues, héritier du groupe Bouygues, que finalement vous êtes l'un des patrons de France les plus connus, les plus reconnus, que vous avez accès à tous les présidents, vous ne vous laissez pas racheter du premier coup par un petit gars qui s'appelle Xavier Niel ou par un financier sans foi ni loi qui s'appelle Patrick Drahi. C'est une question d'ego, purement et simplement. C'est une guerre d'ego. Janvier 2016. La traditionnelle soirée des vœux de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms. Un moment particulièrement choisi, quelques semaines auparavant, une surprise de taille, l'ouverture de négociations pour un rachat ou une acquisition-fusion de Bouygues Télécom par Orange. À part celui dont l'entreprise est l'objet de toutes les convoitises, Martin Bouygues, les grands patrons sont là. Tous les ans, l'ARCEP fait une grande cérémonie de vœux assez sympathique. Bon, au début, on s'est dit que c'était très impressionnant. Et au premier rang, il y avait tous les dirigeants du secteur. Alors, on était un peu relégués derrière. Les années ont passé, puis on a continué de rester derrière, parce que c'est quand même vachement plus sympathique. Je ne sais pas pourquoi les gens se battent au premier rang. De manière, ils vont moins pouvoir regarder leur mobile quand le discours est un peu long. Donc, c'est une erreur. Il faut se mettre au dernier rang, c'est vachement plus agréable. Mesdames, messieurs les parlementaires, messieurs les présidents, chers tous. On avait commencé les discussions, hein. Donc il y avait quelques discussions sur comment on partage, parce que en réalité Orange ne pouvait pas racheter Bouygues Télécom sans prévoir une répartition de certaines classes d'abonnés pour que ça puisse être accepté par l'autorité de la concurrence, ou acceptable plus exactement. On parlait de cela, après bon, une petite blague entre collègues, entre copains. On fait toujours les mêmes blagues quand on est un mec, qu'on a 50 ans, que quand on en a 15. Hein. Je ne vais pas vous raconter ça maintenant. J'y vois une vraie convergence de vues et d'objectifs avec ceux poursuivis par le gouvernement. Moi, c'est vrai que j'apprécie beaucoup cet homme-là parce qu'on a des relations très simples, très faciles. On se comprend au quart de tour. On peut être tout à fait en désaccord, hein, ça c'est clair. Mais en tout cas, voilà, on a une simplicité de contact et un certain plaisir à être ensemble, en fait. Hein. Merci pour votre attention. Aucun des trois autres ne se parle bilatéralement. Aucun. En revanche, moi, je parle effectivement à tout le monde. Et ça, malgré tout, pour nous, c'est quand même, et pour nous et pour le secteur d'ailleurs, je crois que c'est utile, je crois que c'est un capital qui m'a bien servi d'ailleurs dans le dernier épisode. Ce dernier épisode dont parle Stéphane Richard, c'est un suspense qui va durer tout le premier trimestre 2016. Avec toute une série de tractations secrètes. Il faut trouver un accord entre Bouygues Télécom et Iliad. Il faut trouver un accord entre Bouygues Télécom et Numéricable SFR. Il faut que Numéricable SFR et Iliad soient d'accord sur un certain nombre de partages vis-à-vis de l'autorité de concurrence. Il faut qu'Orange soit d'accord avec chacun. Enfin, c'est un truc dans lequel vous avez quatre sociétés qui doivent tomber d'accord. Faire des contrats à deux, c'est pas un truc simple. Faire des contrats à quatre, je vous assure que c'est quelque chose de complexe. La négociation, c'est continuer la guerre par d'autres moyens. On discute pied à pied argent, action, pouvoir. Pour Free, qui n'a pas de réseau en propre, celui de Bouygues Télécom est une aubaine, mais le moins cher possible. Même préoccupation pour SFR, intéressé par la clientèle et les points de vente grand public. On n'identifie pas encore bien les motivations de Martin Bouygues, mais Stéphane Richard a vendu à l'État un scénario avantageux sous tout rapport. D'abord, c'était une opération qui, financièrement, était à bien des égards exceptionnelle pour Orange. Parce que dans cette opération,
on reprenait des actifs, c'est-à-dire essentiellement des clients, en fait, de Bouygues Télécom. Et donc, il y avait un aspect de renforcement du fonds de commerce d'Orange en France. On faisait ça à travers une opération financière dans laquelle on ne dépensait pas un euro d'argent, puisqu'il y avait une augmentation de capital qui venait donc renforcer notre bilan. Ce qui fait qu'au total, pour Orange, on pouvait faire cette opération en ressortant beaucoup plus fort. De février à mars 2015, chronique d'un mariage annoncé. D'abord, l'accord est imminent, puis ce n'est plus aussi certain, la fusion devra attendre plusieurs semaines. Fin mars, le suspense est maximum, les conditions de vente du réseau seraient en train d'envenimer les relations déjà tendues entre Martin Bouygues et Xavier Niel. Après 4 ans de guerre totale, les deux milliardaires ne se font pas confiance. Vous avez une idée de ce qui va se passer ? Aucune. Aucune, parce que les acteurs... parce que parfois les acteurs sont pas rationnels dans ce secteur et que c'est le problème d'avoir des entrepreneurs, c'est aussi un avantage, ça rend le sujet sympathique, mais ils ne parfois peuvent changer d'avis à la dernière seconde dans un sens ou dans un autre, donc ça peut donner des choses originales. Bonsoir à tous. Sachez que Bouygues et Orange ont annoncé en fin de journée avoir mis un terme aux négociations sur un éventuel rapprochement. Cela faisait plus de 3 mois que les deux groupes tentaient de trouver un accord. Échec donc ce soir. 2 jours après, Martin Bouygues donne sa version de l'échec en envoyant 2 missiles. D'abord sur Xavier Niel, qui aurait joué un drôle de jeu pour se payer un réseau le moins cher possible. Ensuite, sur le gouvernement, qui a voulu limiter sa participation dans Orange à 12% au lieu de 15%. La mécanique du capitalisme est trop familière à Martin Bouygues pour qu'il se laisse imposer d'être un actionnaire dormant. Je pense que l'opération Bouygues-Orange, c'était une opération de Bouygues visant à prendre pied dans Orange en vue d'en devenir l'opérateur principal et de le racheter. Et que c'est pour ça que ça a échoué. Moi, je pense que ce qui a coincé, c'est... fondamentalement, quelques maladresses qui ont accrédité beaucoup chez Martin Bouygues le sentiment qu'il y avait trop de risques dans cette opération, trop de risques d'exécution, et que si les choses se passaient mal, pour une raison ou pour une autre, c'est lui qui se retrouverait, j'allais dire une fois de plus, comme le dindon de la farce, et celui le plus affaibli du secteur. Cette appréciation du risque a été trop forte et a fait que il a basculé. Et Martin, je pense que c'est aussi ça, son tempérament et comme ça. Hein. À partir du moment où il a basculé, c'est très très difficile de revenir en arrière parce qu'en fait, il se reconstruit dans le nouveau schéma. Et le nouveau schéma, c'était celui du Bouygues Télécom indépendant qui mène sa vie en solitaire. Et donc, il y a un moment où il s'est persuadé que c'était en fait ça le bon choix. Et à ce moment-là, c'était perdu. Le conseil d'administration du groupe Bouygues entérine alors le fait que la situation ne changera pas. Je crois que la phrase qui est dans le communiqué de presse émise par le conseil, de mémoire, il est dit que je crois que le marché est durablement à 4. Je crois que c'est ça le terme qui est utilisé. Un marché durablement à 4, ça veut normalement dire que c'est durable, mais bon... 4 jours après, 4 jours seulement, les valorisations en bourse des 4 opérateurs mobiles s'effondrent. 9 milliards d'euros de pertes le premier jour, finalement 11 milliards. Les cours vont vite se rétablir, mais c'est un coup de semonce. Après coup, les marchés financiers, qui sont aujourd'hui les maîtres de l'économie, ont dit leur préférence pour un mariage qui ne s'est pas fait. La fin de la guerre pour reconstituer leurs marges et encore mieux servir leurs actionnaires, c'est ce que veulent aujourd'hui les grands patrons des télécoms qui poussent un retour à 3 opérateurs. Mais ils sont toujours 4, la guerre n'est pas finie. D'ailleurs, elle peut se révéler profitable. Je ne sais pas qui a le plus souffert dans nos concurrents et je me demande même s'ils ont souffert. Parce qu'on nous a dit, écoutez, tout va mal dans le secteur, c'est absolument horrible. Qu'est-ce que je constate 4 ans après notre arrivée ? Orange vaut en bourse, je ne sais pas, 30% de plus ou 40% de plus qu'il ne valait avant notre arrivée.
SFR a été vendu 16 ou 17 milliards d'euros. C'est un miracle. Et il y avait plusieurs acheteurs. Bouygues Télécom, il y a un moment, ils ont dit, voilà, on vaut 10 milliards. Donc, vous arrivez quand même dans un sujet où tout le monde a pris énormément de valeur. Donc, je ne sais pas si, au bout, on a détruit autant que ça de valeur chez nos concurrents. En tout cas, on a accru la valeur pour leurs actionnaires. Mais nos champions doivent sans cesse trouver de nouveaux challenges pour leurs actionnaires. Stéphane Richard leur promet un leadership européen et la banque sur le mobile. Martin Bouygues, la 5G et l'Internet des objets. Xavier Niel, des aventures américaines. Et Patrick Drahi ne cesse d'endetter SFR pour faire marcher ensemble les télécoms et les médias. Dans le capitalisme, la recherche de la valeur est une course sans fin. C'est pour cela qu'on se fait la guerre. Après cette immersion haletante dans le monde des télécoms, véritable miroir de l'économie capitaliste à la française, après cette incroyable saga qui met en scène ces quatre grands patrons sur fond de trahison, d'alliances et de grandes manœuvres à coups de milliards, nous ouvrons le débat ce soir sur la face cachée des télécoms. Quels sont pour demain les enjeux du marché? Qui seront les futurs gagnants et les futures victimes de cette guerre économique? Nous allons en parler avec nos invités, économistes, journalistes spécialisés et le réalisateur du film qui nous en dévoilera les coulisses. A tout de suite. Près de 73 millions de lignes téléphoniques en France et au bout du fil, ou plutôt à l'autre bout du réseau. Quatre tycoons, quatre nababs qui se partagent le marché du haut de leurs empires respectifs. Pour prolonger le film que l'on vient de voir, quelques invités avec moi pour discuter. Elsa Bambaron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste experte des télécoms au Figaro. À vos côtés, Laurent Mauduit, bonsoir. Bonsoir. Également journaliste, vous êtes le cofondateur de Mediapart et auteur de ce livre « Main basse sur l'information », c'est aux éditions Don Quichotte. Benjamin Coriat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste. Et à vos côtés, François Rabaté, bonsoir. Bonsoir. Le réalisateur de ce film. Quand on voit le portrait de ces quatre hommes, chacun incarne une forme de capitalisme. Oui, je crois que c'est effectivement ce qui est intéressant dans cette histoire de télécom, c'est que ce n'est pas simplement une histoire de télécom, mais c'est l'histoire édifiante du capitalisme dans ce début du XXIe siècle. Pour vous aussi, c'est quatre figures différentes du capitalisme? Oui, c'est quatre figures différentes, mais quelque part, ils se retrouvent aussi dans leur façon de gérer leur entreprise. Enfin, c'est pas si divergent que ça, parce que Martin Bouygues, à la fois a hérité de Bouygues et à la fois a fait Bouygues Télécom lui-même, parce que ça, c'est son bébé, il l'a dit et assez répété ces derniers temps. Il a même dit, est-ce que vous vendriez votre femme, vous? Comme vous le retenez aussi. Ils se rejoignent un petit peu dans leur façon de faire. Drahi, il a ce côté aventurier que vous décrivez aussi pour Xavier Niel. Stéphane Richard, c'est un pur produit de l'organisme d'État, mais en même temps, il a aussi ce côté où il a poussé Orange en Afrique. Enfin, il a un petit côté aussi entrepreneur, même si c'est le seul, il est atypique là-dedans, parce que c'est le seul qui n'est pas patron, enfin, qui n'est pas le propriétaire de son entreprise. Alors que les trois autres, c'est des patrons entrepreneurs. C'est à eux, c'est leur sous, et ils le disent d'ailleurs, chacun à leur façon. Ça a été compliqué, oui. Non, mais moi j'ai une nuance, si je peux l'exprimer. Ça m'étonne de vous, Laurent Mauduit. Non, je trouve le film formidable, mais moi j'ai toujours trouvé qu'on était dans un capitalisme en partie hybride. Il y a le vieux capitalisme, dont Martin Bouygues est l'un des... Hein, le capitalisme familial, voilà. Mais hybride en ce sens que... on va vers un système de plus en plus anglo-saxon, donc Drahi est tout à fait révélateur de ça, même la finance folle, la façon dont il gère les entreprises, il les prend d'assaut, il les rançonne, il vire les salariés, une bonne partie d'entre eux. Voilà, mais en même temps, il y a l'aspect d'opacité que je trouve qui est le poids du vieux capitalisme français. Hein. Et donc dire... Avec par exemple, 4, vous trouvez ? Pardon ? Avec 4 ? Avec l'opacité. Par exemple, dire de Stéphane Richard qu'il est très emblématique de la mutation d'un capitalisme d'État vers un capitalisme plus libéral, c'est quand même une plaisanterie de dire ça. Quand on sait son parcours à lui, il vient d'où ?
Il a été placé au cœur de la Générale des Eaux, l'ex qui se transformera en Vivendi. Il fait du business avec Jean-Marie Messier, c'est-à-dire avec tout le clan des Baladuriens. Il fera fortune grâce à ça en faisant ce qu'on appelle dans le sabir anglo-saxon un LBO sur le pôle immobilier. Il prendra à l'époque comme avocat Nicolas Sarkozy. Donc on est tout à fait dans le système du vieux capitalisme français. De quoi, de connivence un peu De consanguinité entre les élites financières et les élites politiques. Et c'est tellement vrai que vous connaissez la suite de l'histoire. Ami de Sarkozy, Sarkozy le coopte au ministère des Finances et ensuite il ira à Orange. Donc il y a l'aspect très consanguin. Et de la même façon, dire de Xavier Niel qu'il est emblématique d'une autre forme de capitalisme, plus les start-upers qui démarrent, la nouvelle économie. Moi, je vais vous dire, il y a un mystère que vous n'élucidez pas et que moi, je n'ai jamais élucidé non plus. Donc, je vous livre l'énigme. C'est que Xavier Niel commence comment? On le sait, il commence dans les sex shops avec de l'argent en liquide. Il est condamné pour ça en 2006, il y a 10 ans, c'est pas vieux. C'est pas vieux. Pour 2 ans de prison avec sursis et recel d'abus de biens. Pourquoi est-ce qu'il obtient une 4e licence? Comment les choses se passent-elles? Il y a une fable. La fable, c'est que ça arrive en Conseil des ministres, 4e licence, François Fillon, ancien ministre des PTT, partisan de la concurrence, dit « Allez hop, on la donne à Xavier Niel et Sarkozy n'était pas là ce jour-là. » Quelle blague. Vous pensez que Nicolas Sarkozy fait un mauvais coup à son meilleur ami Martin Bouygues pour offrir... Non. Donc je pense qu'il y a un mystère qu'on n'a pas lucidé, mais qu'on est dans un système très consanguin. Voilà, c'est peut-être dans le film un peu de suspense policier, j'aurais rajouté cette... Pour Xavier Niel, il ne fait pas de mystère d'avoir fait fortune dans le Minitel Rose. Il n'y a aucun de ses proches qui vous le niera. Non, mais non. Quand vous regardez non, ce qu'il y avait... Je dis pas le Minitel Rose. Ça, c'est légal. C'est légal, le Minitel Rose. Le Minitel Rose, et qu'on voit le contenu des Minitel Rose et qu'on voit n'importe quel site de rencontre aujourd'hui, c'est des enfants de cœur quand même, hein, ce qu'ils ont fait. Sa fortune vient vraiment du Minitel Rose au départ quand même. Enfin, non, sex shop, des sex shops, d'une activité illégale. Ça n'est pas le Minitel Rose, des sex shops, c'est autre chose. Non, il est condamné. Je connais rose. Bien parce que j'étais dans. J'étais chercheur sur la télématique à l'époque, donc c'était une vie antérieure, mais. Donc nous avons croisé, moi et mon équipe. Vous nous expliquez quelque chose à travers ce film qui est très frappant, c'est que, en tout cas, même s'ils ont différentes façons d'être capitalistes, il y a un point commun entre eux, c'est quand même une certaine obsession des dividendes à reverser. C'est quand même assez frappant, oui, ça. Oui, c'est ça. Oui, moi, ce qui me frappe beaucoup, comme économiste, si je peux dire, c'est que, bien sûr, je ne mets pas du tout en question ce qui a été dit, c'est qu'il y a quand même une dimension extrêmement moderne racontée dans ce film. Hein, c'est-à-dire que c'est un film sur les opportunités, les coalitions, les alliances, etc., ouvert par la déréglementation. Donc, avec une double déréglementation. La déréglementation dans les télécoms, évidemment, puisque c'est l'objet du film, c'est comment se partage le pactole, puisque c'est la déréglementation, comment se partage le pactole laissé par l'opérateur historique, mais à un moment où les technologies explosent et où donc ce pactole laissé par l'opérateur historique, il est démultiplié par 10, 15, 20 parce qu'il y a toutes sortes de nouveaux services. Et c'est en même temps la déréglementation financière. Alors c'est tout à fait, je souscris, en ce qui concerne Drahi, on est typiquement dans les méthodes de ce qu'on appelle le private equity, rendu possible par la déréglementation financière, c'est-à-dire de l'argent extrêmement facile, dans laquelle on achète une entreprise sans mettre son propre argent, uniquement pour l'essentiel à travers des prêts bancaires. On met le prêt sur le dos de l'entreprise, et puis ensuite, évidemment, on récupère de leur embarras, puisqu'on a des entreprises qui se sont autopayées. Tout ça est très moderne, donc c'est vrai, la dimension consanguine. Dans un sens assez particulier. Non, tout ça est très moderne, malheureusement moderne, si j'ose dire. Mais au sens 2, on est en plein dans la déréglementation financière. Absolument. On est en plein dans la déréglementation financière. On est dans une histoire moderne. On est dans le capitalisme d'aujourd'hui. Et on y reviendra sans doute tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a cette dimension consanguine, mais en même temps, on ne se fait pas de cadeaux. Je pense qu'ils se font une vraie guerre. Et je pense qu'elle n'est pas finie. Et qu'il y aura des cadavres à venir qui sont devant nous. Bon, d'ailleurs, à commencer par... Premier, c'est Drahi. Pour le moment, c'est les salariés de Drahi. Vous avez raison. Pour le moment, c'est les salariés de Drahi. Ensuite, on verra pour Drahi lui-même. Mais, je veux dire, c'était engagé à conserver l'emploi. Et maintenant, il ne cesse de dire... Moi, c'est un contrat d'arty, hein. C'est un contrat pour 3 ans. D'ici 3 ans, mes 5 000 salariés sur 15 000, je vais les mettre dehors. Donc, je veux dire, c'est très saignant, c'est très moderne.
Je disais juste sur le côté déréglementation, il y a aussi un côté opportuniste extraordinaire chez Patrick Drahi, parce qu'il a vu avant tout le monde que l'argent n'était pas cher. Et ensuite, pour venir sur l'emploi, il a fait un coup extraordinaire. Il a annoncé en plein mois d'août qu'il virait un tiers des effectifs. Mmh. C'est passé complètement inaperçu. Et il y a un de ses concurrents, dès qu'il a deux minutes, je ne dirais pas qui c'est, qui râle en disant « on se mobilise pour Belfort, mais quand allons-nous râler ?» pour les 5000 emplois de SFR. Vous dites que c'est un peu son chiffre, 30%, hein ? Oui, c'est un peu son chiffre. Il demande 30% de remise à ses fournisseurs, il supprime 30% des effectifs. Bon, chez SFR, on s'en sort bien, parce que chez Numérical, nous, c'était 60. Hein, donc, il a un peu revu à la baisse. Parce que c'est de la formule, hein. C'est de la formule du private equity. C'est le roi de la règle de 3 aussi. Drahi fonctionne par règle de 3. J'insiste sur ce point, c'est-à-dire que ça ne marche que comme ça. C'est-à-dire que l'emprunt, pour le payer, il faut que l'entreprise le paye. Et le moyen de... Ça s'appelle un LBO. Et puis, pour l'avoir, c'est-à-dire pour que les banques vous prêtent, il faut leur avoir prouvé... Qu'on est capable de le faire. Voilà, qu'on est capable de le faire auparavant. Il faut leur donner des grosses commissions. Il faut l'avoir déjà fait. Et ça, ce que raconte aussi le film, c'est l'histoire de Drahi dans le câble. Je crois que c'est très important, très intéressant... Parce que, d'abord, c'est quelqu'un qui a compris assez vite, alors que tout le monde disait le câble, ça marche pas, que ça pouvait marcher, qui s'est dit, il n'y a pas de raison qu'en France, ça marche pas. Et puis ensuite, petit à petit, il a construit son empire d'abord dans le câble, en se faisant prêter de l'argent par des banques qui se faisaient rembourser rubis sur l'ongle, je dirais. Bien sûr. Il a fait gagner de l'argent à tout le monde, oui. Tout à fait. Le concernant, vous avez raconté en préparant l'émission une anecdote sur lui que vous n'avez pas mis dans le film, sur ses autoréflexions qu'il fait devant sa glace en se rasant le matin. Ah oui, alors je l'ai amené, parce que c'est quand même assez joli. Je vais le citer. Mais parce que Patrick Drahi, il est très cash, quoi. Ça paraît clairement étonnant. Et il m'a dit, alors on ne l'a pas mis parce que c'était un peu compliqué. Puis je ne l'ai pas non plus. Oui, voilà. Et il nous a dit, donc, moi, quand je me réveille et que je me rase, je ne pense pas être président, je suis déjà président. Je pense à comment je fais prospérer mon entreprise, je pense à ça du matin au soir. Ça vous étonne, chef d'État privé, quoi. C'est un peu le produit ultime de la déréglementation dont parle Benjamin Coria, quoi. Voilà, la dérégulation est tellement violente que même la puissance... Évidemment, c'est terrible. Là, je peux vous en donner une illustration. Parce que ça a été mon travail personnel. Parce que dans le Lot, par exemple, pour des raisons liées à ce capitalisme de connivence, ils rachètent la presse, ils la malmènent, ils appliquent à la presse, dans le cas de Drahi, la même recette. Allez, hop, on vire 30% des rédactions. C'est ce qui s'est passé à l'Express, par exemple. Comment faites-vous un journal sans la matière première qui est l'intelligence, la compétence, l'enquête? Voilà, c'est du point de vue démocratique, ce qu'ils ont fait dans la presse. Donc aussi bien Drahi qui rachète cascade de journaux, vous connaissez, Libération, L'Express, plus des radios, plus des télés, RMC, BFM, etc., que l'autre côté, Niel, qui rachète le groupe L'Express, le groupe Le Monde, a pris dans les systèmes de connivence dans lesquels ils sont, ça les protège, ils rendent des services. Du coup, vous avez l'histoire stupéfiante de l'Obs, où ils font même un licenciement de la numéro 2 de l'Obs, pour motif politique, parce que voilà, ils sont dans des relations avec l'État, et la presse, c'est une petite protection. Voilà. C'est la ligne sur laquelle ils vont continuer, les médias? C'est quelque chose qui les... Les médias, la ligne officielle, en tout cas chez Altice, donc, qui est la maison mère de SFR, c'est de dire on croit à la convergence des contenus et des télécoms. Donc c'est de dire on va acheter les contenus que nous allons distribuer. Vous y croyez? Je vous dis que c'est la ligne directrice. Non, parce que c'est une fable. C'est pas une fable. Il y a un fond de vérité, parce que Drahi, quand il fait quelque chose, il le fait pas. Il n'a pas racheté Libé pour faire plaisir à qui que ce soit. Et il n'a pas racheté Libé comme une danseuse. Mais bien sûr que si. Parce qu'il a l'intention de gagner de l'argent avec. Mais vous voulez rire. Il a trouvé le moyen de gagner de l'argent avec de la presse, puisqu'il a fait SFR Presse. SFR Presse, c'est une application sur laquelle il a mis tous les titres qu'il a rachetés, plus d'autres. Et en fait, ça lui permet de baisser le taux de TVA moyen appliqué. Non, il veut la loi, là c'est différent.
Non, il ne viole pas la loi, pour le moment, il a le droit. Non. Il baisse le taux de TVA moyen qui est appliqué aux abonnements télécom, et en fait, ça lui crée une différence de TVA. C'est-à-dire que votre abonnement, mettons qu'il soit à 20 euros, avant, il y avait un hors-taxe qui était à 16, et maintenant, il y a un hors-taxe qui est à 12. Et donc, il y a 4 euros de TVA d'écart. Vous faites 4 euros fois X millions d'abonnés fois 12 mois. L'un dans l'autre, ça lui paye largement ses journaux pendant plusieurs années. Je veux dire pourquoi c'est très grave. Parce que la conséquence de cela, c'est la suite de la dérégulation dont parlait Benjamin Correa. Pourquoi ? C'est parce qu'en matière de diffusion de presse, autrefois, la presse papier, pas numérique, il y avait pour la distribution des obligations de service public. Les kiosquiers sont dans l'obligation de diffuser tous les journaux. Et donc, il y a un principe démocratique très important qui est la neutralité. Et donc, du coup, là, ils deviennent kiosquiers, mais kiosquiers numériques, et diffusent ses propres journaux. C'est la fin de l'universalité de la distribution. Donc, c'est c'est la privatisation d'un service qui, autrefois, était universel. C'est gravissime en termes de pluralisme de la presse, de démocratie. C'est grave. Et ce qui est stupéfiant, je trouve, c'est que la puissance publique est inerte. Elle est inerte dans la concentration de la presse auquel ces oligarques des télécoms procèdent. Hein. Ouais. Les lois anti-concentration théoriquement interdisent à un actionnaire de détenir à la fois un journal de diffusion nationale et une télévision de diffusion nationale. Le ministère de la Communication n'a rien dit. Donc Drahi fait des choses contraires à la loi et la puissance publique observe. Oui. Non, mais je pense que Laurent Mauduit met le doigt sur quelque chose qui est très important, qui est que d'un côté, on a en apparence, et c'est mis en scène, et c'est pas seulement en apparence, une vraie guerre concurrentielle, hein, parce qu'il y a des marchés qui émergent, parce qu'il faut prendre des positions très vite, etc. Mais de l'autre côté, l'enjeu véritable, c'est de recréer des monopoles. Même si ces monopoles sont partiels, c'est-à-dire des monopoles à travers des bouquets, des monopoles à travers des services, des monopoles à travers des accès réservés, etc. Et donc, dans ce sens-là, c'est vrai que la dimension de concurrence, c'est un peu... C'est pas de la poudre aux yeux, parce que c'est vrai qu'ils se font la guerre, hein, et c'est bien montré dans le film. Et donc, ça aussi, c'est très moderne et c'est très peu dit. C'est qu'en fait, notre capitalisme d'aujourd'hui, c'est un capitalisme de rente, c'est pas du tout un capitalisme de concurrence. Et cette guerre... Comme elle est montrée ici, c'est la guerre pour la reconstitution de monopoles, mini-monopoles ou monopoles un peu plus larges. Juste, on va avoir un extrait, puisque vous parlez de guerre, pour voir un peu le ton des relations entre ces quatre magnats. Regardez. On a eu une organisation qui était une organisation de guerre, avec des réunions, il y avait une war room, quelque part, et on groupait toutes les informations, on faisait des réunions quasi quotidiennes pour évaluer la situation et voir quels étaient nos éléments de riposte. Il y a quelque chose de l'ordre de l'armée en marche. C'est une solidarisation de l'ensemble des équipes d'Orange qui a permis de résister à ce tsunami. Ah, une war room. Ouais. Ça, c'est l'arrivée de Free, ça. Ça, c'est l'arrivée de Free, oui. Ouais. Mais l'arrivée de Free, c'est très étonnant parce que Niel, il répète pendant 2 ans, j'ai ma licence, je vais diviser les prix par 2. Il arrive sur le marché, il divise les prix par 2 et les 3 autres sont surpris. Enfin, ils n'y croyaient pas. Ils pensaient absolument pas que Niel oserait... Tout le monde attendait des offres et ça n'arrivait jamais. Et en fait, ça n'arrivait pas parce que les trois... Et alors, fatalement, quand c'est sorti avec le 2 euros... Si je peux me permettre, ils étaient installés sur des rentes telles qu'ils n'imaginaient pas que quelqu'un viendrait pour ne pas s'asseoir à côté d'eux sur la même rente et les attaquerait sur la rente pour essayer de se l'approprier à lui tout seul. Ce qui me frappe dans ce que dit Benjamin Correa, que je trouve très pertinent, c'est que voilà, c'est l'histoire d'une dérégulation avec la guerre que le documentaire met en scène. Mais il faut bien penser que c'est récent. Je veux dire, vous vous souvenez d'une autre époque électorale, 1997, le débat, c'était France Télécom restera à 100% public. C'était il y a 20 ans. Oui, bien sûr. C'était hier. C'était très vite. C'était hier. Et vous regardez, en 20 ans, les saccages de multiples points de vue de sociaux, médiatique, c'est ce que moi je mets en scène. C'est moderne, mais c'est. La contrepartie de ça, c'est qu'avant, vous payiez votre abonnement télécom 60 euros et maintenant pour 10 euros, vous avez la Est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs que, quand même, c'est eux qui sortent gagnants de cette guerre c'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que
ça passe par des phases. Ça oui, passe par des phases. Oui, voilà. Donc il y a des moments, il y a des moments dans lesquels effectivement de l'argent est rendu au consommateur. Mm-hmm. Ça, c'est incontestable. Et la quatrième licence, par exemple, c'était l'argument de Niel. Je donne du pouvoir d'achat. Peut-être que l'explication, c'était non pour Nicolas Sarkozy, qui se prétendait le président du pouvoir d'achat, etc. L'idée qu'après tout, on va quand même leur en rendre un peu du pouvoir d'achat à travers cette quatrième licence. Mais d'une certaine manière, ça n'est jamais que provisoire. Parce que même à quatre opérateurs, encore maintenant, ça continue à monter. Les prix ont recommencé à monter. Par ailleurs, quand vous discutez avec les opérateurs, ils vous disent... Mon abonnement, il est à 19,90, en gros, mais chaque abonné me rapporte 26,90, 29,35. Oui, parce qu'il souscrit avec des services supplémentaires et c'est un service donc, qui fait 30% voilà, de marge. Donc le bénéfice... C'est pour dire que le bénéfice apparent en termes de prix affiché, pour le consommateur, il doit largement être compensé par les dépenses réelles. Et regardez aujourd'hui ce qu'est le budget comme... ou télécom du consommateur individuel par rapport à ce qu'il était il y a 10 ans, il y a 15 ans. Alors c'est vrai que ce n'est pas les mêmes produits, hein, mais il a explosé. Il a explosé. Et alors les grands perdants, c'est qui? C'est les salariés? C'est qui? Ah, c'est eux, il n'y a aucun doute. Hein, vous regardez aussi bien ce qui se passe chez Drahi, donc la méthode, la purge, c'est d'abord la purge sociale. Vous regardez les enquêtes disponibles. Il n'y a pas beaucoup de confrères très, très énergiques sur ce sujet. Il faut que ça passe par les journaux indépendants, Politis ou Mediapart. On a quand même écrit à longueur de colonne dans le Figaro que ça avait supprimé 50 000 emplois dans le secteur des télécoms. Regardez-les. Donc je faisais allusion à une grande enquête récente de Politis sur les méthodes de travail dans les centres d'appel de Niel. Je veux dire, c'est... ça fait froid dans le dos. Mais l'État est complètement impuissant à préserver un petit peu de ses... entreprises privées, donc il n'a absolument pas le droit d'agir sur la méthode. L'État s'est rendu impuissant. C'est ça. La dérégulation a engendré cet éclatement complet du secteur. Alors, j'ai une petite précision, parce que, en fait, cette histoire qu'on raconte, qui a l'air, au fond, on a l'impression d'une dilatation du temps, etc., cette histoire, c'est 2009-2016. Ouais. C'est-à-dire que... En 7 ans, tout est... Oui, cette histoire, c'est 7 ans au maximum. On raconte un petit peu ce qu'il y avait avant. Oui. Un tout petit peu de points de suspension, de pointillés pour après. Mais je pense qu'avoir raconté l'histoire de la bagarre économique sur les télécoms, proprement dites, ça donne des clés sans doute pour comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer dans les prochaines années sur la convergence des contenus et des tuyaux. Ce qui va se passer, c'est les marchés étrangers ou pas? Les deux, j'aurais tendance à dire, parce qu'on attend quand même. Enfin, à chaque fois qu'il y en a un qui bouge une oreille ou qu'il y a une vague rumeur de consolidation, le secteur des télécoms en bourse reprend 4-5%, ce qui montre que les investisseurs ont une vraie appétence et on croit vraiment que ça va leur permettre de monter leur marge et donc de distribuer encore plus de dividendes, s'ils reviennent à 3. Et en même temps, c'est très compliqué parce qu'on a un Stéphane Richard qui, lui, est un patron qui est là jusqu'à la fin de son mandat ou peut-être un autre. Et puis, trois autres propriétaires qui sont accrochés à leur truc. Donc, on attend qu'il y en ait un qui soit trop mûr et qui tombe de la branche. Donc, il y a cette espèce d'incertitude sur le marché français. Et puis, à l'étranger, tout le monde, maintenant, lorgne l'étranger. Sur les États-Unis, c'est l'Eldorado, c'est quoi? Drahi, lui, il a choisi son camp et il a réussi là où Niel n'avait pas réussi, c'est-à-dire qu'il a réussi les États-Unis. Il est maintenant numéro 4 aux États-Unis et il dit, moi, quand je vais sur un marché, c'est pas pour être numéro 4, c'est pour être numéro 1 ou 2. Donc maintenant, aux États-Unis, il va essayer de racheter sans doute le numéro 3. Est-ce qu'il en fera un numéro 2? Puisque comme il en a déjà deux, il deviendra un numéro 2 naturel. Donc on attend, enfin, normalement, ça devrait peut-être se décompter en 2017, parce qu'il a dit, là, pour le moment, je me calme. Puis il a des contrariétés, en plus, avec l'autorité des marchés financiers qui l'embête sur ses OPE, sur SFR. Donc là, il ne bouge plus. Et Free a posé des jalons pour être le quatrième opérateur en Italie. Donc, ce qui me frappe, c'est que Bouygues, qui en principe est le plus petit et qui aurait dû céder aux sirènes des uns et des autres, tient formidablement bon et n'a pas du tout l'intention de céder. Ce que montre bien le film, ça c'est quand même très très frappant, c'est que Bouygues a refusé deux fois
Absolument. Une offre à 10 milliards d'euros. Ça, ce qui est quand même hallucinant. C'est-à-dire le double, hallucinant, le double de ce que ça vaut et de ce que ça valorisait. Pas sa femme. Donc ça, ils ont refusé 10 milliards d'euros de Drahi une première fois et 10 milliards d'euros d'Orange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bouygues n'a pas du tout l'intention de lâcher. Donc il est sûr de lui. Sûr de lui, on peut jamais être extrêmement sûr hein, dans ce monde, parce que vraiment ça y va au couteau. Mais en tout cas, de toute façon, ils sont appuyés sur un groupe. C'est l'avantage de Bouygues, c'est que c'est un conglomérat. Donc je veux dire, d'une certaine manière, ils ont de la réserve. Mais enfin, sur l'opération avec Orange, moi, mon analyse, c'est qu'en fait, c'est Bouygues qui voulait prendre le contrôle d'Orange. Hein, c'est-à-dire que Bouygues entendait devenir l'actionnaire de référence avec au moins 12% et être positionné de manière à pouvoir, sitôt que l'État avait besoin de revendre un peu d'Orange, redevenir l'actionnaire, pas seulement de référence, mais principal et faisant la loi dans l'Orange. Est-ce que la prochaine dérégulation n'est pas celle-là? Parce qu'on sent visiblement qu'il y a beaucoup de gens qui rôdent autour d'Orange. Oui. Il y avait lui. Oui. On sent bien qu'il y a eu des grandes manœuvres de la part de Vincent Bolloré qui est parti attaquer en Italie, Télécom Italia, dans l'espoir peut-être de revenir pour attaquer Orange. C'est pour ça que rien n'est joué. Et même Orange, qui lui alors est un pur player, hein, comme on dit, hein, c'est-à-dire qui fait que ça, hein, à la différence de Drahi, qui fait aussi du câble et de Bouygues qui fait bien d'autres choses, c'est peut-être pas forcément le plus solide dans le secteur. Hein, je veux dire, il va encore se passer des tas de choses. Il est clair que beaucoup attendent une nouvelle donne après les élections, une nouvelle donne et un statut différent d'Orange. Enfin, c'est sûr que ceux qui ont de l'argent à investir et ceux qui lorgnent sur ce marché des télécoms, ils regardent vers Orange à l'heure actuelle, c'est clair. Juste une chose, c'est que pour revenir un peu aux hommes, ce que me fait dire cette affaire, c'est que Martin Bouygues, c'est pas, malgré ses coups de sang, hein, son côté très sanguin, etc., c'est aussi, comme les autres, un animal à sang-froid. C'est-à-dire que Martin, il a effectivement la possibilité d'attendre, il a fait monter les enchères, il a réussi à valoriser son entreprise Bouygues Télécom. Deux fois sa valeur. Elle vaut 10 milliards au fond maintenant. C'est-à-dire maintenant, elle vaut 10 milliards. Alors qu'elle en valait 6 à tout casser. Quoi, hein. Aujourd'hui, elle en vaut 10. On avait proposé 4 milliards 7 à peu près 12 mois plus tôt. Quoi. Je peux dire, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des débats, quand on parle de la crise financière, il y a des débats sur la re-régulation dans la finance. Là, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de débat sur la re-régulation et que la puissance publique n'est pas confrontée à cette pression-là. Tout à l'heure, j'évoquais la question de la neutralité du net. C'est un principe démocratique majeur, la neutralité du net. Absolument. Vous imaginez une situation où les grands portails d'accès soient contrôlés par M. Niel et M. Drahi et qui ne donnent pourquoi accès... Pourquoi il n'y a pas de débat? Il y a un débat à Bruxelles déjà là-dessus. Moi, on essaie à Mediapart de le porter, quelques-uns, mais vous imaginez que ne soit distribué, quand la presse sera totalement numérique, qu'ils ne distribueront que leurs journaux, pas les autres. Vous prenez peut-être le problème à l'envers, pas tout à fait vrai. C'est pas tout... sur le fond, c'est vrai à 90%. Mais il y a un débat, et je suis placé pour en parler, il y a un débat qui commence à monter sur le net, l'information, l'accès à l'information comme bien commun. Voilà. Donc, et la pluralité de l'information. Voilà. Et voilà. Au-delà de la simple neutralité du net... La pluralité. La neutralité, le gain... Voilà, sa pluralité. Et puis la notion de bien commun. Ça ne veut pas dire qu'on va les nationaliser, mais ça veut dire qu'en tant que bien commun, ils doivent être soumis à un certain nombre de restrictions, de prescriptions, etc., qui protègent... Des obligations de service public. Pour que la démocratie soit respectée. Je vais défendre les opérateurs télécoms, mais on se regarde aussi un peu le nombril en France en disant, mais qu'est-ce que font nos opérateurs télécoms entre eux? Et on oublie qu'il y a en face, ils ont Google, Apple, Facebook, qui ont des moyens beaucoup, beaucoup plus puissants, que chacun peut proposer des offres qui sont à même de les contrer. Le jour où Google déploie en vrai un réseau, il n'y a plus d'opérateurs télécom en France. Donc on a en même temps cette chance d'avoir ces entreprises qui nous offrent une pluralité malgré tout et qui nous permettent d'avoir une réponse. Et quand Orange commence à développer ses propres bases de données, moi je suis désolée, je suis plutôt favorable à ça. Je préférais que moi mes données personnelles, parce que je génère des données personnelles et vous aussi vous en générez, soient stockées chez Orange
que chez Google. Ouais. Moi, j'ai pas plus confiance en Orange qu'en Google. Hein. Je suis tout à fait désolé. Vraiment pas. Pour les données, vraiment oui. Pas, je veux dire, parce que je ne sais absolument pas quelle alliance Orange va passer. Où partiront ces données. S'ils vont pas être rachetés demain par Google, je ne sais rien du tout. À partir du moment où on a ces entreprises détentrices de l'ensemble de ces données privées, etc., et que la possibilité d'en faire commerce n'est pas bridée, tout peut arriver. Absolument. Donc c'est pour ça que, quel que soit le détenteur ultime, si vous voulez, il y a une loi, hein, un projet de loi sur les biens communs en Italie, qui dit, quelle que soit la titularité, publique ou privée, à partir du moment où c'est décrété bien commun, il y a un ensemble de servitudes qui s'imposent. Donc je vous dis, c'est même pas la question de est-ce que ça doit être absolument public. Non, la question c'est que si c'est un bien commun, il doit y avoir des servitudes qui garantissent un certain nombre de libertés, de privacité, de sécurité, etc. C'est ça l'avenir. Voilà. J'approuve. D'accord, très bien. Voilà, donc vous approuvez, merci. Même si la guerre va continuer, vous avez approuvé, c'est parfait, merci beaucoup. En tout cas, à tous les quatre, je rappelle votre livre, Laurent Mauduit, Main basse sur l'information, c'est chez Don Quichotte. Voilà, vous pouvez revoir cette émission, évidemment, sur le site internet du Monde en Face. Moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro mardi prochain. En attendant, évidemment, vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Très bonne fin de soirée à tous et à toutes sur France 5.